Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à cette première expédition épique. C'est épique. Quelle épique époque. Oui. Fait que pour rappeler à tous ce qu'est une expédition épique, aujourd'hui, vous vous trouvez avec moi pour cette première partie d'expédition et la semaine prochaine, nous vous retrouverons tous pour la suite de l'expédition avec Fred. Tous. Oui, oh. Qu'est-ce qui... Je pense que j'ai une face qui... ton stream. Je sais pas ce qui se passe. Attends. Je sais pas si ton stream, mais t'es là deux fois. Qu'est-ce que t'es imbu de toi-même? Hein? Ah, tu sais pourquoi? Parce que, genre, parce que mon nom, c'est... Il y a un M. Attends. Ah, mouton, c'est Valide. Il s'est pas déplacé. Il y a plus de Z dans ton nom, là. Voilà! C'est du mouton. Voilà, désolé. C'est dans l'ordre alphabétique. On se pique pas vraiment sur vos faces. Fait que c'est moi la première, tout le temps. Pas mal, loin. Pas quand je vais faire un personnage qui s'appelle Aaron. Aaron. Moi, je vais m'appeler Aaron. Tu fais bien. Tu attaques un coup. Ah! Ça, je m'appelle juste Aaron! Fait que... Êtes-vous prêts à commencer? Que je vous fasse votre belle petite intro. Oui. Alright. Faut juste que je prépare quelque chose. Pas spécialement. Juste généralement. On est tous prêts! L'automne est déjà sur le déclin. Une première neige précoce tombe sur le brasier. Venric est sur le plus haut balcon du building principal, à l'abri des regards indiscrets, en ce matin gris et blanc. Demi-orc, tire la faible lumière du soleil levant pour s'appliquer du maquillage. Cavenot apparut et surprit Venric. Ah! Me disais bien que je te trouverais ici. Gardait les mains de Venric. Encore du maquillage? Venric répondit. Oui, je... Froid fait du bien, non? Le barde évitait la question. Il cessa de se regarder dans son petit miroir et regarda le gobelin. Tu te rends compte que c'est probablement le début de mon dernier hiver. Tu sais, considérant tout ce que t'as fait, que t'as préparé, t'aurais pas pris pour un si grand nostalgie. Non. Pas tant que ça. Je pense juste que je suis content que je vais être capable de pouvoir voir le fruit de nos efforts. Et pour une fois, voir que notre équipe ait l'avantage. Bienvenue à Incandesca. Alors, bonjour tout le monde! Bonjour! Bonsoir! Ah non! Arrête! Fait que, quelques jours plus tôt, vous vous retrouvez tous avec vos effectifs prêts à quitter le brasier. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qui avait été pris de la pile commune. Y avait-il quelqu'un qui s'en rappelait? Fred veut pas me répondre. Y a quelqu'un qui a pris une inspiration à la dernière game, ça je me rappelle. Oui. Mais c'est pour ça que je demande si vous le saviez. Mais j'étais pas là, genre, fait. Je sais pas s'il y avait d'autres choses, j'ai peut-être manqué.
Certain que c'est pas le bout que j'écoutais avec le plus d'attention. Je pense qu'il reste deux inspirations. Vous devez évidemment les prendre. Vous devez. Une se lève à 3D d'inspiration. Fait que s'il y en a un qui a été pris, on c'est prend ce que, c'est pour ça que je dis qu'il en reste probablement deux. On s'en prend sur un là, puis un la semaine prochaine. Oui. Vous direz, fait que vous prenez 2D. Ouais, ah, ok, faut qu'on décide. Pour l'expédition. Ça veut dire que ça dure les deux semaines dans notre cas? Oui. Un peu compris. On les prend toutes, elle reste plus. Dans l'univers, l'expédition va prendre deux semaines, effectivement. Dans la vraie vie aussi. Dans la vie aussi, et voilà. C'est pour ça que c'est sur plusieurs parties. Si on meurt dans un cadesco, on meurt dans la vraie vie. Évidemment, une game, c'est pas exactement une semaine, mais vous comprenez le besoin de la cause. Parce que j'ai sinon. J'ai l'impression que j'ai un décalage de caméra, ce sera pas beau tantôt. Tu vas dire, tu ralentis. Ça a l'air correct. Non, tu vois correct, là. Oui. C'est toi le problème. C'est rien de bien dramatique. Fait que... OK. Attends, je vais marquer. Je vais noter que vous prenez les inspirations. Il reste plus rien dans Pile Commune. Toutes les équipes de la semaine prochaine. Démerdez-vous. Ben, en même temps, on peut quand même se regarder nous trois et juste faire « Ouais, pour aller sauver la coloc à Yol. » On dip. Check, ok? Là, on va commencer par sauver le monde. C'est vrai. Oh, j'ai oublié de rock ta coloc. J'ai pas fait de musique. Toi? Ça, je veux dire, on va être trois dans l'expédition avec de la fatigue là, pour l'expédition. Là, on n'a pas besoin, pas besoin d'inspiration rendue là, même. Effectivement. Bon, l'affaire, c'est que si on est mort d'ici là, tu sais, on la fera juste pas. C'est pas grave. Fait que. Pour votre expédition, Doka, vous avez prévu des transports. Et essentiellement, elle vous a prévu une caravane en direct d'Athur vers Vidicar. Mais en premier, il va falloir que vous vous rendiez à Athur, évidemment. Ça va vous prendre plusieurs jours de voyage à... En fait, environ, on va vous montrer, comme pas penser. Puisque vous partez du brasier, vous allez jusqu'à Haroldos, qui est ici, et vous commencez le long voyage jusqu'à la ville d'Athur. Cependant, comme vous voyez, essentiellement, Doka vous a informé que vous devriez descendre à Bastion. Puisque c'est le point le plus près de Givrerock, qui est de votre destination. Doka vous dit aussi que vous ne pourrez pas passer beaucoup de temps à Tur. Désolé, ça... J'ai essayé de dire le nom, puis ça... Vouliez-vous faire quelque chose de spécifique pendant votre voyage? Moi, je vais utiliser une Spiring Leader en quittant pour donner l'HP temporaire à tout le monde. Alright. Ça sera fait. Fait que c'est 9 HP temporaire pour tout, tout le monde. Oui. Puis je l'ai précisé que je laissais mon armure magique que je portais au brasier avant de partir. Oui. Ça va prendre ta place. Voulez-vous faire autre chose? Préparatif. Essentiellement. Acheter des potions. D'accord. On va pouvoir faire ça. Une fois que vous êtes rendu à Bastion. À moins que vous ayez quelque chose de spécifique qui ne pourrait pas s'acheter à votre destination, je vais le handwave et vous le faites en chemin. Je ne penserais pas. Non, je pense que ça va être pas mal des potions, c'est pas mal tout.
moi, je pense que ce serait important d'acheter des rations et des tentes. Ah, c'est pas fou. En termes de rations, moi, j'en ai 10. Moi aussi. Ne pas oublier qu'on va un peu handwave les rations. Parce que c'est du bookkeeping inutile qu'on veut pas vraiment avoir à gérer. Ok, mais les tentes, c'est quand même une bonne idée, ça. Oui. Ok. J'ai juste un bedroll. Essentiellement, vous devez quand même vous soucier de manger, c'est juste que vous avez pas besoin de garder compte de... Votre expédition est prévue pour un certain nombre de jours, vous auriez amené cette quantité de nourriture-là. Est-ce qu'on achète les supplies au prix courant? Ah oui. Une tente à 2 gold? Oui, oui, là, pour le prix que c'est, là, c'est pas... C'est pas trop lourd, t'es capable de la transporter? Je dis ça parce que t'es petit! Mettons... Ouais, non. Je pense que Anaïk, tu vas devoir emporter une. En fait, parce que ça va nous prendre 3 tentes, parce que c'est 2 personnes par tente. C'est 20 livres chaque. Fait qu'une tente pour Yol, parce qu'il est plus grand. Une tente pour Yol, ouais, c'est parce qu'il est plus grand. Voilà, on va être large. Je vais enlever toutes mes rations, ça va me faire de la place. Moi, j'ai de la place en masse dans ma carapace. Ok, fait que... J'ai de la place en masse dans ma carapace. Oh my god. Ça peut... Ouais, ok, c'est ça, je suis over-carrying capacity, là. Qu'on peut assumer que vous les auriez pris en partant, mettons. Ouais. Je peux... 60 livres de tente sur le dos, let's go! Donnez-moi-en, j'ai de la place. Ok, Ralph, ajoute une tente à ton inventaire. Je peux les prendre les 3, même. Moi aussi. Je vais en prendre deux, for good measure. Je vais prendre 2 tentes. Tiens. Voilà. J'ai 2 tentes sur moi. Fait que là, il y a ta tente pis il y a ma tente. Excellent. Fait que j'ai 2 tentes. Donc. Pis j'ai un peu de stock. Pis j'ai encore de la place pour 19 livres sur moi. Not bad. On fera de la répartition au pire au courant de l'aventure. Au pire, on va ditcher une tente. Ça, on est vraiment au pire, on les ramène pas, là, les c'est tentes. Ça, là. On s'en crisse un non, peu. Mais tu sais, dans le pire des cas, genre, j'ai des spears, j'ai des... Fait que j'ai du là. Stock bâtard, puis j'ai des climbers kits aussi. Fait qu'écoutez, on est en business. Not bad. Il y en a qui sont bruns. J'allais pas partir sans mes 3 climbers kits. Fait que votre voyage se passe sans grand problème de... Daruldosk à Atur. Je suis jamais allé autant au nord. Moi, j'ai en fait. Ah shit, j'ai un nouveau familier, moi c'est vrai, hein. C'est vrai. C'est bien possible. Ah, c'est vrai, C'est encore Céleste. Est-ce que c'est encore un homme? Ben un. Oui, c'est encore. Il est encore mort, mais cette fois-là, il est particulier un peu. Faut que je trouve le entry dans. C'est essentiellement un corps de chat avec des ailes. Ouais, c'est un chat ailé. Nice. T'as peur, là, faut que je le trouve. C'est une chauve-souris? C'est spécial. Non, c'est un cat. Embarquons-nous pas dans les débats de qu'est-ce que le familier a Valim. Chauve ça. C'est les deux anciennes formes mixées ensemble. Les ailes de corbeau sont un chat. Fait que vous... Remarquez déjà à Atur que la température est nettement plus basse. La température. Je suis désolé, ok? Je te déplacerais de channel si genre, on n'était pas en train de streamer. C'est tempéré à méchant, Atur, hein? Méchant Valim. Moi, je veux m'acheter du linge local. Oui. C'est de quoi qui se fait facilement. Vous avez le temps. Vous avez à peu près comme une heure et demie alors que vous arrivez avant que votre caravane ne départe. Si vous vouliez faire de quoi de spécifique dans Atur, mais on va essayer de move along. Il y a beaucoup de choses à faire ce soir.
je vais m'acheter du linge local de là-bas. C'est-tu genre Traveler's Clothes, ça? Je pense que oui. Ok. Je vais te laisser gérer ça. C'est assez bénin. Ouais. Et si vous n'avez pas de linge chaud, j'imagine que vous en aviez amené. On peut présumer que oui. C'est pour ça. On a nos costume change de genre d'hiver, là, c'est correct. Demix nous laisserait pas partir dans le Grand Nord sans nous habiller correctement. Très probablement. Est-ce qu'on s'occupe de le coût de l'expédition de suite ou est-ce qu'on faisait un autre moment? Si vous l'avez pas déjà payé, je crois que c'était 50 par personne. Parfait, donc 50. Ouais. Et voilà. It is done. Bien. Fait qu'à la tour, je pense qu'on a rien d'autre à faire. Fait que... On va pas chercher les potions. Les potions, c'était à Bastion, je pense que... Ah, ok. C'est achetable pas mal partout, des potions de soins, surtout si vous voulez pas du gros high-end, là. Fait que... Après votre courte escapade à Hatur, vous arrivez, voyez au loin s'élever un pic dans la distance qui est, semble à ceci. Semble être la ville frontière. En fait, je sais pas comment le traduire exactement, là. Parce que c'est pas exactement la frontière, si vous le comprenez, là. De Bastion. Qui est la ville la plus près de tout ce qui se trouve au nord-est du pays de Karnak. Si je comprends bien, il n'y a pas réellement de route à suivre pour se rendre là-bas. Donc, ce serait facile de se perdre si on n'a pas une carte. Ouais, ça pourrait être une bonne chose à avoir. Sinon, j'ai une belle petite description pour vous. Oh. Je m'excuse un instant, très rapidement. Je vais en profiter pour faire ma description, puis. Please do. Comme je vous avais dit, Bastion est le point le plus proche qui vous permet de vous rendre. La structure s'élance haut et est visiblement la structure la plus vieille de cet endroit. Excusez, c'est trop... Glauque? C'était vraiment trop comme un drone. La plus vieille de cet endroit et les quelques maisons qui entourent le fort ont déjà un peu plus l'allure des buildings que vous avez vus à Hatur. Les buildings sont tous compactés les uns sur les autres, collés sur le fort, sur les murs du fort. Même de loin, vous êtes capable de dire que la structure et la fonction principale a été négligée. Probablement même d'avant la dernière guerre. Puisque ce n'est pas les Karn qui se sont fait envahir. Ici, l'hiver Karnati, ce qui est l'adjectif pour... De Karn. Pour Karnatois. Ouais, ouais. On n'a pas vraiment déterminé comment on le traduisait, fait que je vais y aller pour la version anglaise. Karnati. L'hiver Karnati a déjà commencé. Il y a à peu près un pied de neige qui est déjà venu cacher le sol. Où vous êtes, et ça va définitivement ralentir vos déplacements. Alors que vous débarquez de la caravane, vous... c'est pas très dur de voir que l'endroit sert aux voyageurs en tout genre qui, justement, vivent plus au nord. Puisque la région au nord-est, c'est presque une région de froid éternel. Va falloir faire attention le temps qu'on passe ici. Peut-être qu'il y a déjà des agents de... Attendant! Euh...
Est-ce que je serais mieux de me déguiser? Vous clashez quand même pas mal avec vos habits, puis comment vous... juste... comment vous êtes habillé. C'est pour ça que je me suis épargné du... Darius est à peu près au même niveau que vous-même avec du linge local. Vous avez pas croisé un seul forgelier à date. Il y a au moins... Il y a pas de... Les tortelles, on doit pas être beaucoup non plus. Ils ont pas besoin de créer des robots, ils ramènent leur mort. Voilà. C'est une chose quand même assez connue que... Pourquoi utiliser quelque chose qui a une arme quand tu peux utiliser quelque chose qui en a pas? True Beetle par la canette. Fait que vouliez-vous vous déguiser? Oui, oui, je vais me déguiser, c'est peut-être mieux. Je vais ramasser des vêtements de of local fashion, même quoi que des gnomes à Carnat, tu dois pas en avoir beaucoup non plus. Tu pourrais me faire un jet d'histoire si tu veux. Ok. En fait, je suis quand même curieuse de savoir s'il y a même des tortelles à Carnat, il y en a genre nulle part, ever. Tu sais, il y a juste comme Villiers pis moi qu'on peut passer soi-disant inaperçu. Ouais. History? Ouais. 24. Tu te dis que en tant que gnome, tu serais probablement capable facilement de passer inaperçu puisqu'au sud, il y a Talanta. Et les Afflins. Les oreilles d'eau. C'est un chapeau, c'est pas quoi que le monde va remarquer. En plein hiver, tu fais quelque chose sur ta tête. Vous êtes au début de l'hiver. Vous êtes le 10e mois de l'année, l'équivalent de l'octobre. Ok. Fait que je vais me déguiser, puis si on peut obtenir justement des vêtements locaux pour améliorer mon déguisement. Tant mieux. Alright. Fait que vous passez plus ou moins... évidemment, parce qu'il y a le yol, inaperçu. Ça, vous en sauverez pas. On aurait dû y mettre un taco en tricot sur le... Ah, t'as raison, finalement. Et comme vous aviez mentionné que vous vouliez aller acheter des potions, vous entrez dans ce qui semble être un magasin général pour l'endroit. Et la première chose que vous voyez en rentrant, qui vous salue, sont des undead. Oh. Qui ont l'air d'être en train de manager le shop. Il y en a un qui vous fait comme une espèce de... Révérence. Une genre de révérence et... Une courbette. Je me pencher vers Valim, vers Stressus, si on manque des potions de vie. Non, je suis sûr qu'ils sont habitués à la demande. Wow. Et le shopkeeper vous fait bonjour de... vous fait un signe assez... Le shopkeeper a pas de l'air très très chaleureux, mettons, par contre. J'espère qu'il est mort. Il nous laisse de froid. Non, le shopkeeper, il y a une personne vivante au comptoir. Ah, ok. C'est juste que les étagères se font comme placer très méticuleusement et nettoyer, pousser. Il épouste la neige que vous laissez rentrer avec une fois que vous êtes rentré. Bonjour, on aurait besoin de potions de soins. Ah oui. Alors que tu dis ça, un des undead, c'est un peu des zombies, il leur reste de la chair essentiellement. Mais ils ont de l'air momifiés pour pas qu'ils sentent. Et qu'ils amènent trois potions et les met sur le comptoir. Alors que tu viens de le demander. Vous en aviez besoin de combien? Peut-être cinq. Il fait un signe de tête genre
au Undead qui se dépêche un peu d'aller en chercher deux autres. Et alors qu'il regarde le zombie se déplacer, tous les autres zombies ont l'air d'être comme en stase. Alors que le shopkeeper n'a pas l'air de se concentrer dessus. Je vais jeter un coup d'œil aux marchandises dans le magasin général, voir s'il n'y aurait pas des équipements qui pourraient être pertinents pour notre expédition. Moi, j'aimerais observer les morts vivants dans leur démarche, puis les inspecter, là, les yeux d'eux, puis porter mon attention sur. Ok, tu en apprendras pas vraiment grand-chose, mais... Chercher à me faire un Arcana check. Non? Parce que si tu veux apprendre de quoi, peut-être, là, mais... Je les regarde eux, puis je regarde le shopkeeper comme un après l'autre, mettons. C'est probablement lui qui les contrôle. Ouais. Ça, c'est assez... C'est facile, là, comme... Je te ferai même pas de check. Darius, clairement, il fait juste fixer les morts vivants parce qu'il est comme genre, c'est quoi ça? Et alors moi, que... Oh, oui, vas-y. Oui. Moi, je regarderais s'il y aurait des carreaux à vendre, puis peut-être un bouclier aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un magasin général qui servirait à des aventuriers comme vous qui partent soit chasser... ou qui vont vers peut-être un des de la poignée de villages qu'il y a au nord de... au nord-est de Bastion. Comme le désert, un peu. Si on est juste au début de l'hiver, on n'aurait pas spécifiquement besoin de raquettes, parce qu'il ne doit pas avoir d'accumulation de neige assez remarquable pour ça. C'est dur à dire, considérant que vous montez encore plus au nord. Vous seriez pas vraiment capable de déterminer si ça va ressembler à quoi en haut, là, mettons. Mais il y a effectivement, comme genre d'équipement, des raquettes, il y a des luges, mais qui sont vraiment pour comme traîner comme du stock. Habituellement, probablement que tu traînerais avec probablement des morts vivants. Ou autre... Ou des chiens morts vivants. Je te donne un tournevis. Anaïg se magasine un harnais pour... un forgerie. ouais, bah, des raquettes... j'en prendrais, je pense. Tu ferais ça... Je sais pas combien il ferait ça. Je dirais 5 gold la paire. 5 gold, ok. Et ça existe in game. Snow. Ouais. Ah oui. Snow shoes. Adventuring gear, Durgle. Ah ok, bah j'étais quand même pas loin là, regardez là. Eh bonne idée. Est-ce que j'en prends pour tous? D'accord. Ok. Ok. Ça peut être utile, ouais. Et voilà, 5. Et je vais déposer 10. En fait, 10 Galifas et 100 silver, c'est ça? Oui. Souverain. Ouais, ça, souverain. Et non, Yol, tu les comptes pas. C'est fait. Mais ouais. Je cherchais à aller dans le nord. Attendez-vous pas à une météo clémente, hein. C'est correct, j'ai ma maison sur mon dos. C'est rare qu'il fait beau. Surtout personne comme vous. En regardant Yol, justement. Mais. Vous avez pas le sang-froid, vous, d'habitude? Je sais pas comment ça marche in universe, là, mais j'imagine que ça pose pas particulièrement problème. Mais non, tu peux avoir les mains chaudes, Ralph. D'habitude. C'est vrai, j'ai les mains chaudes. On a tué. Tuer Lindsay. Hey, je suis vraiment désolé que mon personnage ce soit ça, genre. Pas moi. Mais d'habitude, les gens
prennent quoi pour aller dans le nord pour se protéger du froid, à part des tentes? Ah, y a pas grand chose à faire, si... au moins que vous ayez de la magie pour ça. Est-ce que vous connaîtriez un scribe qui peut nous faire quelque chose dans ce genre? Un parchemin? Pas ouais. Ici, non. Non, non, je parle comme des artifices. Souvent, c'est des gens qui ont pas mal plus d'argent qui sont offerts des gadgets. On a des tentes, on a des vêtements chauds pis des raquettes. Ça veut l'air assez bien équipé pour... Et puis on est débrouillards. Pour aller hors piste. Vous allez où, comme ça? Là, on est à Hatur ou on est à Bastion? Vous êtes Bastion. À Bastion. Non. Qu'est-ce que vous allez faire dans le nord? Le nord d'ici, il y a que les... Les... genre de marée glacée. C'est quoi les Ice Marsh en français? C'est ce que j'ai essayé de traduire pis ça a pas tout de suite. C'est quoi de Icewood? Le bois de givre? Ouais, le bois de givre. Givre-bois? Givre-bois? Ouais. Givre-bois, is that the name? On est vraiment fascinés de trekking, comprenez-vous? On allait faire une petite excursion dans le givre-bois. Vous venez clairement de loin. En disant ça, il regarde Darius spécifiquement. Vous venez clairement de loin. Juste à votre accent. Ouais, ben c'est pour nos vacances, on voulait changer de paysage. Ok. Tout simplement. Genre, je ferais pas faire de check pour savoir si vous bullshitez, c'est... Tenter les rails de... Comment ça s'appelle déjà? Les trains? Les électro-rails. On n'a pas inventé l'électro-rail pour pas s'en servir un peu. Là, c'est à Ralph que je veux demander. Qu'est-ce que tu voulais dire? Dans le sens, ça a comme pas il y a un fucking inventé. Train, genre, on va se promener, là. On est loin, mais c'est parce qu'on voyage. Dans le fond, l'humanité. On est en train de faire une semaine de vacances, mais en fait, on vient d'y acheter 5 potions d'healing, là. Ouais, c'est pour ça que je fais même pas faire de check, là. Putain, je roule de quoi? Non! Y'a pas un niveau d'humiliation publique, non? Ok. Y'a des animaux. Je vais rouler pour l'humiliation. 7. Quand vous lui parlez, les zombies ont l'air essentiellement comme complètement arrêtés là, depuis. En vous parlant. Visiblement, quand ils se concentrent pas dessus, ils sont comme genre. J'ai quelques questions pour vous par rapport à vos assistants. Non, c'est vraiment mal poli. Tu fais pas juste poser des questions de même au monde, Valé. C'était combien pour les potions? C'est 50 chèques. J'ai un intérêt académique. Je peux pas juste demander au monde à propos de leurs zombies. Oh, c'est 50 chèques. Pourquoi ils sont morts? Je vais être la personne désagréable dans la pièce, puis je vais déposer 500 silver. Oui. Le gros sac. Fait que je paye essentiellement pour une, puis je me la prends. Et je vais sortir, parce que there's no way que j'écoute tes histoires de zombies. Moi, je vais en prendre... une aussi. Mais là, Yol, t'en achetais pas 5, right? Tu voulais juste qu'il en sorte 5? Ouais, c'est ça. Okay. Je me disais qu'on allait être plus qu'un à en acheter. Okay. Oui. Moi, je vais en prendre 2. Il vous fait les transactions pendant qu'il parle à Valim, justement. Ah, mais vous voyez... habituellement... c'est les miens, mais... pas moi, J'ai un ami qui fait des parchemins. C'est qu'il y en a? Non, il se déplace. C'est ça, prochaine question. Cet ami, il en vend des parchemins de la sorte? Ben oui, mais il se déplace pas mal, alors je pourrais pas vous dire où il est. Ah, dommage. Je suis pas très bon à les contrôler, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, je peux en prendre 2. Moi, je vais en prendre une. Fait que... Moi, j'en ai déjà. Okay, fait que je vais en prendre une deuxième. Vous faites vos emplettes. Okay. Mais ouais... Je vais faire le move d'Anaïg, en fait. Je vais payer avec 500 silver. Moi, je paye en gold, j'ai juste du gold. Moi, j'ai payé en gold aussi. By the way, il compte vos pièces à la balance. Ah. Vraiment un homme de grande sagesse. Pourquoi faire plus de travail que...
je peux faire laisser une machine faire. Là, c'est moi qui regarde Darius. Darius, tu continues à parler. Ça, ça me regarde à Darius, genre. Mais, by the way, Valim est capable de comme un peu comprendre ce qui se passe là, sans même faire de jet. Là. Il a probablement pas le level pour garder le spell comme constamment up. Mais, bah, tu sais, le level, là, c'est vague pas mal. Là. La canette verte de Raph. Oh non. Chouette. Wow. Voilà. Bon, ben, avec tout ça, on est pas mal prêts. Ouais. Je crois bien, oui. Ouais. Fait que vous commencez votre trek. On sait pas partout par où aller, dans le fond. Ben, vous savez... Plus, vrai, on voulait avoir une calice de cartes, on a oublié. Pas juste une carte, là, une calice de cartes. Peut-être qu'on se pogne une carte aussi. Fait que vouliez-vous redemander au shopkeep ou... Ben, ouais. Ah, je pense pas qu'on a vraiment de carte de la région. Pas très très... Une boussole? Ah, peu de boussole peut-être. Mais carte définitivement pas, il y a des... Il y a certains personnages... T'es peu Villiers, il est pas vraiment bon pour se retrouver. Je devrais pouvoir... Ouais, une boussole. Ben, il sait où aller. S'il est déjà allé, c'est facile. Mais comme autrement, c'est plus dur, mettons. C'est pas comme une boussole intégrée, genre être un ranger? Non, ça c'est horrible. Dans le sujet de survie. Mais il vous trouve une boussole pas très très précise, mais ça va vous permettre de comme vous au moins trouver le nord. Écoute, à pas être au nord, c'est ça qui est important, là. C'est ça qu'on veut. C'est aller au nord qu'on veut, fait que... C'est 10 gold. Elle est qui va payer ça. Pour la boussole? Elle va te donner 100 silver, là. Mais là, en fait, j'ai pas mal écoulé mon silver. Ok, fait que c'est 10 galifards? Oui, 10 galifards. Ok. Parfait, fait que... Yol, tu me devras 2 galifards, sinon je peux pas me rendre à chien. C'est bon. On va s'arranger, ça va être correct. Bon Dieu, vous... Voilà, c'est... Vous allez loin? On aime vraiment ça, le trekking. Bonne journée! Moi, il voyage beaucoup. Ouais. Je vais lancer la boussole à Villiers. Échappe-la pas. Attends, mais il y a casse, tabarnak. Crac! C'est correct, c'est l'aiguille qui est important, pas le bidule lui-même. Avec la neige, tu veux pas qu'elle se remplisse de neige, c'est à cause. Fait que vouliez-vous prendre. Faire autre chose avant de commencer votre. Let's go. Là, on dirait que t'attends qu'on dise de quoi d'intelligent que tu pensais qu'on allait faire et qu'on fait pas, genre. Peut-être. Mais non, on y va, let's go. Là, je vous le dirai jamais c'est quoi, évidemment. Parfait. Personne qui n'ont pas de traîneau avec des chiens. Pas qu'ils sont capables de transporter Yol et quiconque d'autre. Et de toute façon, il n'y a pas vraiment de traîneau non plus. C'est pas si. Ça voyage pas à ce point-là que ça. Fait que vous entamez votre péripétie vers Givreroc. Notre périple. Écoute, là. Vous avancez et le ciel devient de plus en plus gris. Et à peu près 4 heures après le début de votre avancée, vous entrez dans ce qui semble être une pas pire tempête de neige. Tabarnouche. Fait que, on va embarquer dans un skill challenge. Oh non. Fait que, plusieurs affaires. J'ai certains
éléments que vous pouvez accomplir. Je vous le dirai pas. Vous pouvez vous inventer des obstacles à surmonter, mais vous pouvez pas vraiment réutiliser les mêmes skill checks plus qu'une fois. Oh non, il y a un arbre devant moi. Oh non, il y a un arbre devant moi. Ouais, c'est exactement ça qu'on veut éviter. Il peut pas passer par-dessus. Dans le fond, si je fais une action, mettons, qui implique un athletics, ben à mon prochain tour, je peux pas refaire quelque chose qui implique un athletics. Faut que je varie, genre. Ben pas juste à ton prochain tour, juste pour le restant de... De l'éternité. Ouais, okay. De ben pour le restant de votre voyage. Essentiellement, ça reviendrait à dire, ben tu l'as déjà réussi ou échoué. Ok. Essentiellement, de la manière qu'on va fonctionner, après chaque tour... de table, de ce que vous essayez de faire, une journée se sera avancée. Oui, ok. Vous en... estimez combien de jours il se passe? Hein, ce que vous aviez pas mal estimé que ça serait au moins 3 jours de voyage. Sans compter des tempêtes de neige qui pourraient nous ralentir. C'est ça. Donc là, évidemment, c'est à quel point vous êtes capable de progresser sans... trop utiliser de vos, disons, ressources. Comme toujours dans un skill challenge, si vous utilisez un spell pour faire une action spécifique, c'est un succès automatique. Et pour chaque 3 échecs que vous avez, vous recevrez un niveau de fatigue. Je suis tellement désolé pour tous et chacun, là, pour tous les checks que je peux trouver. Si vous n'êtes pas déjà en fatigue, c'est déjà bien. Mm-hmm. Mais c'est pas... Faut juste qu'on réussisse. Guys, just... Faut juste que vous réussissiez, évidemment. Est-ce que mon Ring of Jumping est considéré comme un spell? Non. Pas vraiment. Considérant que tu peux tout le temps... Puis en fait, il faut que ça soit pertinent de pouvoir l'utiliser. Ouais, c'est ça l'affaire. Théoriquement, oui, c'est un spell, mais je sais pas en quoi il peut t'aider dans ce cas-ci. C'est comme, le spell Lightning Storm serait pas utile dans votre cas, ça vous... Tu vois le genre, là? Ce genre de... Take your wound. Mais tu sais, comme, mettons, je vois, il y a une rivière sur notre chemin, je pourrais te tuer. C'est comme, est-ce qu'à ce moment-là... Certains événements se présenteront quand vous aurez assez avancé. Ah, ok. Évidemment. Vous pouvez, vous savez à peu près les 2 grands obstacles que vous aurez à traverser, notamment la rivière et le détroit à la fin pour arriver sur l'île, au-delà du détroit de Karn. Fait que vous pouvez y aller à peu près dans l'ordre que vous voulez, seulement tout le monde ne peut y aller qu'une seule fois avant que tout le monde ait déjà passé. Et ça peut avoir rapport à peu près à n'importe quoi qui a un lien avec la survie et l'avancée dans un blizzard. J'aurais tendance à dire que quand la tempête est comme plus à son pic, j'aurais tendance à chercher des abris pour me protéger durant... le plus gros des tempêtes, genre. Alright. Tu peux me faire un survie ou un perception. Survival. On va y aller en perception, alors. Genre, si j'en ai déjà décrit, je vais juste vous dire ce que j'avais noté, essentiellement. Parce qu'il y a certains éléments qui sont faciles à prédire pour moi, mettons. Fait 24 de perception. Ooh. Tu spots facilement plusieurs petits spots que vous êtes capable d'utiliser en attendant d'arriver dans la forêt que vous savez que vous allez pouvoir atteindre une fois de l'autre côté de la rivière. Et avec comment le layout du terrain est fait, tu te dis que tu serais probablement capable de trouver un spot pour camper, mais que la nuit tombe aussi. Fait que vous avez ça de couvert.
qui veut tenter quelque chose? Ben, je vais faire du survival pour qu'on continue de s'orienter là, avec la boussole pis tout, pour qu'on garde le cap malgré les conditions qui sont pas idéales. Alright. Fait que survival, moi ça. 20! 20 naturels, là? Non, je l'ai roulé 17. Plus ah, ok, parfait. Ça aurait pu. J'avais l'air excité pis ça a l'air bon, là, mais... Oui. Parfait. Fait que oui, avec la boussole et malgré la visibilité drastiquement réduite à cause des vents et de la neige, vous êtes capable de suivre Viol qui est très très démarqué comme de sa silhouette au travers le blizzard. Et vous continuez à avancer et avec deux succès, vous arrivez devant la rivière. À mon tour. J'aimerais essayer d'utiliser mes connaissances sur tout ce qui a trait à la nature pour comme essayer de spotter un chemin qu'on peut sur lequel on peut emprunter la rivière sans prendre le fond. Est-ce que ma question c'est la rivière est-tu gelée ou la rivière? La rivière est pas totalement gelée, fait que c'est possible pour vous comme de ça serait possible si vous êtes c'est chanceux. J'aimerais m'aider de guidance pour ça. Guidance, évidemment, ne te donnera pas de succès automatique. Là. On va... non, et non. Guidance, je vais vous laisser une fois chaque pour tout le skill challenge. C'est fair. Ok, mais c'est ça, je veux faire un nature. Parfait. C'est assez dans les médias aussi que le guidance peut marcher bien. C'est un 20? Tabarnouche, guys! Ça va bien? 15 plus 1, puis j'ai quand même un plus 4 en nature. Je suis pas proficient, mais... Au-dessus de 20, vous pouvez vous dire qu'au-dessus de 20, vous allez être correct, là. Là, vous réussissez à l'aide de Valim. Vous abandonnez un peu l'idée de suivre Viol juste avec sa boussole pour traverser. Et Valim vous trouve un point qui a de l'air d'avoir une bonne couche de glace qui est bien plus épaisse que le reste, assez même pour que Yol soit capable de se déplacer sans trop faire attention au moins. Puisque le gros problème pour de support de la glace, c'est le 500 livres de Yol. Comme dit, je me couche sur le ventre, je fais juste comme... Vous le poussez comme une carapace. Parfait. Fait que reste Darius et Anaïg. On a traversé la rivière là. Vous avez traversé la rivière. C'est là. Essentiellement, vous venez de traverser l'obstacle qui avait derrière vous et votre prochain objectif immédiat, si je vous dirais, c'est d'atteindre la forêt. Que vous êtes pas capable de voir au loin, là, mais... Essentiellement, vous pouvez... Exposer être quelque part là-bas, parce qu'effectivement, la boussole de Yog continue à marcher. Là. Dans le fond, ce que vous avez réussi jusqu'à maintenant reste en ligne, reste activé. Fait que vous pouvez vous créer des obstacles à vous-même surmonter, si vous le voulez. Est-ce que je pourrais faire un check de perception, justement, pour mieux spotter la forêt? Tu peux me faire... Ouais? Ouais, c'est bon. J'ai... Ok. Ça va être 17 plus 3, 20. Alright. Le 20 est le chiffre thématique de ce soir. Oui. C'est mieux que l'autre game, parce que tout le monde met tout le temps 7, je sais pas quoi. Mieux vaut ça pour vous, mettons. Mm-hmm. Fait que... Tu trouves pas de traces de la forêt, à part quelques branches, mais ce que tu trouves dans... caché derrière les quelques arbres qu'il y a dans l'étendue entre la rivière et la forêt. Tu trouves ce qui semble être des traces.
qui mène dans la direction où vous allez. Dur de dire parce que le vent a déjà balayé une bonne partie, mais c'est des traces qui avaient été protégées du vent par l'arbre. Et ça vous fait un succès de plus. Bon, ben l'impression sur moi, puis j'ai comme pas d'idée, fait que fuck. Mais visiblement, il faudrait suivre les traces. Est-ce que, en se fiant à la boussole à Yol, est-ce qu'on est capable d'avoir une direction cardinale? Les traces vont dans, mettons, genre vers nord, quelque chose comme? Ou... Ils vont vers le nord-est, vers la forêt. Ok. Logiquement, si on suit la direction, on devrait se rendre. Même si, genre, les traces, on les perd de vue. Ouais, c'est ça, essentiellement. Bah, avec le vent, vous êtes capable de déterminer que clairement les traces vont vers où serait la forêt. Okay. Et la neige a déjà commencé pas mal à monter. Ça fait déjà plusieurs heures que vous êtes en chemin. La neige, vous arrivez à peu près au genou maintenant. Mais non, on a des raquettes. Sauf pour Valim. Sauf pour Valim. Qui lui arrive très très haut. Ben clairement, genre, on a sorti nos raquettes quand il commençait à avoir plus de neige, là. Je tiens à mentionner, par contre, qu'aucune raquette va tenir le poids de Yol. Oh, Colin. Après les avoir essayés... Je vais juste dedans, ils font crunch. Non, mais c'est correct, Yol, il peut rentrer dans sa carapace, puis on le met sur le dessus de la neige, puis on le tire avec une grosse luge. Ouais. Mais tu sais, comme un exemple d'obstacle qu'il pourrait y avoir, ça pourrait être plutôt un animal comme un prédateur, puis qu'on essaie de stealter. Ou... Comme là, vous êtes proche de devoir monter le camp pour la nuit. Ça peut avoir rapport à ça. En passant à Mouton, Darius pèse 300 livres, là, titre informatif. Là. Oui, mais ça arrive plus souvent qu'un humain pèse 300 livres que 500 livres, parce qu'il peut avoir de l'armure, mettons. Je te confirme qu'il y a genre, il y a des raquettes qui me font, là. Oh, et moi aussi, mais là il est pas la question. Je pèse pas 300, mais tu sais, je suis pas loin. C'est comme je veux dire, les raquettes sont pas proches de casser en dessous de mon poids là. Ok. Non, c'est ça. Genre, du monde en armure, c'est lourd. Ben. Je peux-tu utiliser mon sort de light pour nous guider quand il commence à faire plus sombre? Genre pour rallier comme le... Pour les spells, pour avoir un automatique, c'est des spells niveau 1 et plus. Okay, ouais, j'ai comme rien que ça applique, là, genre. Là, fais un check d'athlétique pour, genre, marcher dans la neige alors que la tempête, tu sais, ça peut être vraiment... Ouais, faire un check du moyen. Pour faire... Tu peux essayer de faire d'athlétique pour essayer de tracer un chemin pour que Valim ait moins de misère ou essayer de trouver du bois pour faire un feu ou essayer de monter le camp puisque c'est comme pas mal... le moment pour ça. C'est quoi tes stats fortes, là? Ou faire de la performance. Roule insight. Ok. Si tu veux une idée, ça peut être insight pour s'assurer qu'il y a personne qui commence à mourir d'hypothermie. Genre. Ah, essayez ça. C'était une joke. C'était médecine ou insight que j'avais dans mes notes. Parce que si tu vois quelqu'un... T'as pas besoin d'avoir beaucoup de médecine pour comprendre que quelqu'un est comme clairement en train de geler. Bon ben, j'ai fait une side pis j'ai un total de 20. Voyons, c'est vraiment la thématique. Wow! Fait qu'avec vos 5 beaux succès, vous avez vraiment fait du terrain en cette première journée. Et vous réussissez à atteindre l'orée de la forêt. Au début de la nuit, et vous êtes capable de vous faire des campements plutôt bien, malgré la tempête qui continue à souffler dehors. Et vous pourrez prendre un short rest. Assez bien au chaud dans vos tentes. Vouliez-vous? J'imagine que personne ne voulait prendre la peine de faire des tours de garde, considérant qu'il faudrait qu'ils soient capables de vous voir.
Ben, considérant que j'ai, genre, je fais juste me shutdown. Oui, comme... c'est vrai. Ok, fait que c'est relevant. Tu fais le seul tour de garde. C'est ça. Ce qui est fair. Mais mon passive perception, c'est 10, fait que... C'est ça. Fait que fais-moi quand même un jet de perception pendant ta nuit. Ok, pendant la nuit, ça... Je peux pas. Ouais, c'est comme à long terme. Oh, ben 11, c'est meilleur que mon passive. Ish. T'entends pas grand... T'entends pas grand-chose qui vient proche de vous, mais vous êtes capable d'entendre au loin. Ben, t'es capable d'entendre vraiment plus loin dans la forêt des espèces. Hurlement humain. De plusieurs. Ils ont pas l'air de venir dans votre direction. Clairement, t'es pas trop sûr si c'est le vent dans les arbres qui pourrait l'avoir causé. On le sait tout que c'est pas ça. Hey là, excusez là. Fait que. Un Wendigo ou une Banshee, qu'est-ce que vous vous réveillez le lendemain matin. Aucun des deux, Lindsay. Je peux faire une orignale. Non. Et le matin se lève. Il neige encore vraiment beaucoup. Ça n'a pas l'air de s'être calmé ou empiré. Comment ça a été cette nuit? Il y a eu beaucoup de cris dans les bois, mais rien n'est venu vers nous, donc ça s'est bien passé. Des cris? Des loups? Des loups-garous? C'était des loups. Un nature, genre? Tu peux me faire un nature, oui. J'ai pas de bonus, fait que ça fait 12. Ça pourrait être pas mal de choses. Mais définitivement, la chose qui a crié ça est. T'sais, c'est pas comme une espèce de growling, genre grave. Ça sonnait comme un hurlement. Comme un haou, genre. Peut-être des loups? Alors, on est mieux d'être vigilant. Bon, reprenons la route. Fait qui voulait commencer à essayer de... Je pourrais y aller pour un... stealth pour essayer de qu'on soit plus... inaperçu au travers de notre... de la... de la forêt. Alright, j'aime ça. Ouais. Yes. Ben 5. Oh my god! Wow! On aura peut-être pas de level d'exhaustion, c'est correct, on finalement, peut ma coloc. Vous êtes vrai, ça va vraiment bien, je dois dire, là. Je m'attendais ouais, à... un peu, là, ça va bien là, parce que ça va aller tant. Je m'attendais à un ou deux comme fail. Le balancier va revenir, là. Ouais, là. Check-nous bien failer back-à-back 4 fois. Fait que... Check-nous bien, puis quand on va pogner un combat, ça va être juste des 1, puis on tombe juste des 20. C'est ça qui va arriver. On va juste mourir au lieu d'avoir des levels d'exhaustion. Je veux plus être écrit. Après votre sixième succès dans votre avancée, va tous vous demander de faire des wisdom saves. C'est de la magie, oui. C'est de la magie, oui. C'est avantage. 19. Bon là-dedans, moi, c'est 20. 19. Combien, Nag? 6. Ok, c'est bon. Mais oui, mais tu le connais, mon Wisdom Save, il est plus 0. Oui. Au moins, il est pas moins 1. Ça, c'est mon charisme. 14.
Alright. C'était pas grave, genre, c'était si une personne failait. Quoi? On a tout passé. Non, non, non. Non, non, non. Oui, c'est... Anaïg. Vous... Et Yol. Les deux. Ben, Yol et Anaïg... Vous sentez quelque chose vous appeler au fond de la forêt. Vous, c'est pas comme un charme, mais vous sentez une présence qui vous dit « Venez vers moi », mais genre comme invitante. Oh, ok, madame! Ben, c'est pas parce que la voix que j'ai faite est comme plus... Ben, je sais pas, t'es allé vers quelque chose de plus féminin, fait que j'avais assumé. Ok, monsieur, là-bas, je sais pas. Ok, MX, là, je veux pas vous genrer, là. Je veux pas dégenrer la forêt, là. Let's go. Tu ne peux pas assumer le genre des voix désincarnées. Désincarnées. Ok, guys. Et. Au même moment que vous entendez, vous sentez cette espèce d'attirance-là vers. Cet endroit-là de la forêt, vous commencez à entendre des cris. J'aime pas ça. Au travers. T'as ressemblé-tu à ça hier? Oui. Est-ce que tout le monde l'entend ou juste. C'est tout le monde l'entend. Ok. C'est. Ça sonne nettement plus proche et ça a l'air de des cris humains. Je me casse Guidance. Est-ce qu'on sait d'où viennent les cris puis d'où vient la voix invitante? Est-ce que ça vient du même spot ou est-ce que ça oui. vient... Puis tu sais, tu dis cris, mais c'est comme... Ah! Ou bien comme des cris de terreur du monde qui se font décapiter ou juste du monde qui hurle comme à la lune? Là. Quand même des mots différents. Là. C'est... Il n'y a pas vraiment de mots ou de choses spécifiques que ça crie. Imagine comme quelqu'un qui crie de folie. Ok, on va pas là finalement. Ben moi je vais courir vers là, il y a une voix invitante qui m'invite à y aller, je vais y aller. Ok. Ralph, c'est moi qui conne, hein? Ben... Et alors que, j'imagine que vous, comment procédiez-vous? Ben comme, ça va déterminer on sent-tu comme Pell à y aller ou pas, genre? C'est une weak force, puis vous sentez que à un pas de plus... Genre, ça augmente tout le temps plus t'es proche. Essentiellement. Mais t'sais, on peut-tu pas le faire parce qu'on a échoué le DC, t'sais. Non, vous êtes pas compelled, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez comme... Vous pourriez faire « Ok, non, reviens, genre, si vous vouliez. » J'étais bien down jusqu'à ce que le monde crie. Ouais, les cris, ils sont un bon... Hein. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un en danger, justement. Ben, je sais pas, il y a une voix invitante dans la forêt pis des gens qui hurlent, là, j'ai... Moi, je fais juste comme pointer à genre la neige tout autour de nous, comme... S'il y a quelqu'un en danger, il essaie de jouer tard. Pim, faites-moi un jet de perception. 11. Toi, la perception, ça va pas bien ton affaire, hein? 21. En fait, j'ai dit guidance, fait que 15. Ah, ok. T'étais pas obligé de l'utiliser là. 20. Je t'ai battu. Fait que vous l'entendez tous. Clairement des sons de neige qui commencent à se compresser venant vers vous. Des pas qui courent dans la neige. Qui ont l'air de venir vers vous. Vous... Sortez vos armes. C'est quoi cette tombe-là? Il enlève ses gars. Moi, je suis en micro. Ben non, il est long sword. Vous voulez rester et vous battre? On y peut... Moi, je partirai à la course. Je crois qu'il serait plus sage de partir. Venez-vous-en, viens t'en aller, je te prends par la main puis je m'en vais. Parce que je sais que si je te prends pas par la main, tu n'en viendras pas. Ok, c'est bon, je cours, je viens. C'est bon. On a autre chose plus importante à faire. Moi, j'assume qu'on était trop lent si on se fait pourchasser, là, mais...
Ben, vous pouvez pas le savoir. Whatever, ouais. New Chase va être ralenti par la neige aussi, là. Ouais, c'est ça. À moins que ce soit une créature native, là. C'est un loup avec des... Mais ça sonne, ça sonne comme des humanoïdes. Ah, ok. Fait que nous, ça sonne pas comme des créatures, genre, autres. Ça sonne pas comme une créature au sens d'un comme un monstre, là. C'est peut-être des zombies. Qu'on kisse notre cœur. Et il continue à crier alors que il vous court après. Je vais vous demander de me faire des jets, soit un Constitution Saving Throw ou un Athletics pour vous sauver. Athletics. Est-ce que je peux utiliser... est-ce que ça fait partie de notre skill challenge? Oui, mais ça donnera pas de succès comme à proprement parler. Pour j'ai un spell à prier pour me sauver. C'est pour oui, ça. Oui, c'est ça. Mais ça va quand même automatiquement donner un succès selon c'est quoi. Ok, on va faire Expeditious Retreat. Est-ce que c'est seulement toi que ça target? Ok, mais non, mais c'est parce que ça, si c'était tout le monde, ça l'aurait juste sauvé tout le monde le jet, mettons. Moi, ça m'a fait 15. Pas un Constitution Save. Moi, ça va être un Const Save aussi. Moi, ça va être 16 en Athletics. 18. 7. Oh, tu te fais dévorer par les loups, tu peux quitter, oh. Merci. On est dead. J'avais dit qu'il y a quelques combats prochains, hein? Alors que vous vous sauvez, vous les voyez derrière vous. Et ça a l'air d'être des humains qui sont bleutés de partout. Comme autant du froid, mais ça n'a pas de l'air naturel. Vous êtes capable de vous sauver. Mais Villiers, tu vas te prendre un niveau d'exhaustion. Jusqu'à temps que tu fasses un long rest. Oh. Donc jamais dans 2 semaines. Fait que dans 2 semaines, ouais. Oh yeah! Et ouais, les humains avaient de l'air féral. Mais c'était-tu des férales? Non, 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 non. Ça a l'air comme des humains féraux, genre. Ouais, j'avoue que c'est un peu bizarre, mais définitivement, il y a de quoi de malsain dans genre comment ils agissaient, leur regard. Ils ont parlé avec la forêt une fois de trop, eux autres, là. Peut-être que finalement c'était pas une bonne idée d'aller vers là-bas. Ouais, non, je pense pas non plus. Vous avez quand même réussi à prendre de l'avance vers la direction dans laquelle vous alliez. Parce que vous avez essentiellement pris un sprint pour vous sauver de l'encounter. Et ils ont l'air d'avoir perdu votre trace. Vous les entendez encore, mais ça s'éloigne de plus en plus. On est mieux de se dépêcher dans ce cas-là, venez-vous-en. J'ai fait la gueule, là, c'est tough sur le pas bailler. Ouais. Fait que, qui voulait s'essayer à faire quelque chose? Ben moi, je vais faire... On est comme avancé, là, puis là, il y a une slope qui descend, puis je vais faire un check d'athlétique pour pas me planter puis faire genre une boule de neige jusqu'en bas. Alright. Ça me va. Parce qu'une fois que tu l'as fait, tout le monde peut prendre ce chemin-là sans se planter aussi. Ah, je fais une boule de neige jusqu'en bas. Et alors que tout le monde te suit pour descendre, puis là, toi, tu te plantes, puis là, tout le monde fait « Oh non! » Et tout le monde, vous descendez et essentiellement, vous êtes un petit peu amoché et plein de neige, puis comme quasiment mouillé une fois rendu en bas. On est tous dans la même grosse boule de neige. C'est votre premier échec. Ah non! Je me demande si j'aurais pas déjà entendu des histoires ou lu quelque chose sur la région, sur la forêt. Qui pourrait nous aider à nous repérer ou... Tu peux me faire un jet d'history. C'est ce que j'imaginais c'est que tu voulais faire. C'est ce que j'avais en tête. Ouais. Yes.
ça va être un 15 plus 5, 20. Parce que c'est le chiffre thématique de ce soir. Ouais, j'en reviens pas. C'est un peu n'importe quoi. Tu sais que dans les... dans le givre-bois, il y a un objet que... Ok, j'ai détesté ça. J'en reviens pas. Il y a un objet qui s'appelle la Mad Stone. Un objet qui s'appelle la Mad Stone. Oh non! La roche folle! Qui a la réputation d'être une grande pierre qui glow bleu et qui absorbe la sanité des gens qui y touchent. Qui les rend des... ce qu'ils appellent des Madborn. Et personne n'a jamais vu la pierre et s'en est sorti sain d'esprit. Ok, j'ai comme un mauvais souvenir qui vient de me revenir. Ouais. Ces gars-là, je pense que c'est lié à la Mad Stone. Je connais pas ça. Une grosse roche bleue. Selon les légendes, si les gens y touchent, ils deviennent fous. Et, ben, je sais pas pourquoi il y a des légendes, parce qu'en fait, ça verrait peut-être que dès qu'on voit la... Il y a personne qui a vu la pierre, puis qui en est revenu. Alors, essayez de pas voir une pierre bleue. Ne pas regarder la pierre bleue lorsque nous la verrons, d'accord. Mais vous en avez pas plus, pas. Mais ça vous permet quand même d'essayer de genre de vous éloigner du centre de la forêt. Et de prendre un chemin plus sécuritaire que celui que vous auriez pris autrement. J'ai le mauvais pressentiment qu'en fait c'est ça que j'ai entendu, la pierre bleue, tantôt. Ah, probablement. Tu l'as entendu aussi? Ouais. Elle avait l'air fine, mais je pense que je me méfie maintenant. Ouais, tout compte fait. N'allons pas au centre de la forêt. Vous sentez que, avec la distance que vous avez parcourue, il vous reste probablement pas tant de chemin à faire que ça pour vous arriver au détroit. C'est cute, on la voit la Mad Stone sur la map. Oui. Ah. Mais vous la voyez pas, fait que, évidemment. Tu le sais pas. Oui. Oui, je le sais. Ok. On l'a évité. Fait oui, c'est ça. Vous l'avez évité et c'est pour le mieux pour vous. Ouais, c'est ça, en fait, pas l'avoir, c'est pas bien. Fait que, il restait, je pense. Donc là, Yol, Anaïg, fait qu'il manque Valim et Darius. Oui, Valius. Non. Ah, tu l'as. T'as rien fait encore? Moi, oui, j'ai fait quelque chose. Ah, ok, ok. Là, on est encore en forêt, c'est ça? Vous êtes. Ouais. La forêt commence à se désépaissir. S'éclaircir, oui. Se désépaisser. Genre, j'avais juste thin en tête, pis genre... Les arbres s'en viennent de plus en plus épars. Ah, il l'a dit! Tu gagnes un XP de nuit. What? Il y avait une gageure s'il avait été capable de mettre le mot épars. Mais c'est vrai que c'était un bon moment. Oui. C'était juste pas une character, ça compte pas. Ok, c'est bon. J'ai de la misère à trouver quoi de relevant à faire. Fais un piège pour nos ennemis. C'est de l'athlétique, tu vas remonter en haut parce que t'as laissé tomber ta bourse en tombant avec moi. Pour la rater, il perd sa bourse. Là, on est dans un éclaircissement, puis on peut voir le
le détroit. Non, vous pouvez pas encore. Avec la tempête, vous voyez encore rien. Puis vous êtes encore dans la forêt. Ah, j'ai une idée. Est-ce que je peux essayer d'observer nos. La situation dans laquelle on est, nos alentours immédiats pour comme essayer de mieux nous diriger avec une investigation? Ah. Je dirais, tu serais pas plus capable, si tu connais pas assez la forêt, que voir comme... Ouais... C'est plus du survival. Ouais, c'est ça, ça serait pas tant... Okay. Par contre, mais sinon... tu pourrais retrouver des objets perdus ou des ouais, traces de vie... Là, ce serait peut-être plus investigation. Des traces, ça serait survie aussi. Non, mais des... Non, des traces, ça peut être investigation non. aussi. C'est des indices. Trouver comme... cette investigation, les suites, c'est la survie. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de trouver des traces avec investigation. Alright. Don't fail me now, Dice. Ah, écoute, 18. Alright. Tu. Alors que tu diverges un peu du chemin de tout le monde avec tes raquettes. Tu trouves une paire de traces qui utilise des raquettes aussi. Ok. Même genre de pattern qui a l'air d'aller dans la même direction que vous. On dirait que quelqu'un est déjà passé par ici. Oh non, ils sont arrivés avant nous. Il y a des traces. Il y a une seule paire de traces. Alors, c'était peut-être des gens fous de la forêt. Mais en raquette. Peut-être. À la quantité de neige qu'il tombe maintenant, de voir des traces si fraîches, ça doit pas être très loin. De toute façon, fraîche. Tu sais, quand c'est un trou, ça fait que tu le vois que c'est comme plein de trous un après l'autre. Là. Ben, ça fait quand même pas deux semaines. T'sais. Non, c'est ça. Là, ça c'est peut-être la journée, genre. Juste une paire de traces? Oui! Est-ce que t'arrives à savoir si c'est un homme ou une femme? C'est des traces de raquettes, Anaïs! Ouais. Et à l'âge des traces, ça serait pas possible pour vous de savoir l'âge des... le poids de la personne non plus. Ben c'est un peu vers ça que je me penchais, tu sais, comme en général, les femmes sont plus légères. Ouais. En tout cas, je suis capable de dire que c'était pas un tortue, parce que moi, je touche, je touche à la terre. En général, les femmes sont plus légères, mais comme... Fait que, Darius, tu as une idée. Les gnomes et les halflings existent? Moi, ouais, je vais faire une persuasion pour persuader Yol et Annick de pas aller en premier et de rester en arrière pour pas toute la merde encore. On vous sépare, les enfants. Oh non, mais là, je veux rester avec Anaïs, s'il te plaît. Écoute. Sure. Parce que oh non, mais là, c'est pas drôle. Si ça avait été n'importe qui d'autre, il aurait fait non. Mais ouais. En même temps, quelqu'un là, il regarde plus Anaïs, puis il fait ouais, ok, non, c'est legit. J'ai eu 12. Oh non! T'essaies de les séparer, mais il y a une chicane qui part. Non! Mais voyons, à ça. Pas notre boss. Écoute, Yol, je pense que j'ai fait assez mes preuves jusqu'ici. Hmm? Je peux nous diriger, je peux nous guider. Ben, je sais pas, tu t'en allais direct vers la voie. J'avais des raisons de croire que quelqu'un était en danger quand même. Il y avait des hurlements au travers. Ça suffit maintenant. On fait juste discuter très calmement. Change de ton avec toi. Vous attirez surtout l'attention vers cet endroit. Wow, j'adore. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Billy. Malade. C'est à force d'agir comme ça que les réverbères vont nous dépasser à chaque fois. Tu ne peux pas être aussi pessimiste pour toujours, Renek. Ok. Pense au moral de l'équipe! Alors que vous êtes en train de vous chicaner entre vous... By the way, merci, c'est malade. Improviser une chicane, c'est pas vous semblez sortir de la forêt. La tempête
dure encore et la visibilité est un peu meilleure que qu'elle était à votre entrée dans la forêt. Probablement qu'il vous reste un succès à avoir. Mais vous avez aussi deux échecs. Oups. Et vous optez quand même pour monter votre campement. Si vous voulez, on peut faire... Une personne peut faire un check pour le campement. OK. Selon... C'est, qu'est-ce que vous essayez de faire? Plus dans précisément. Dans l'extreme challenge, on peut s'aider, right? Dans ce cas-ci, je le laisserai puisque c'est pas de quoi que vous faites comme à la line. Là. C'est comme... C'est comme... Je pourrais aider Yol à monter le campement. Right? Oui. Moi, j'ai fait guidance. Ça dépend c'est quoi le skill qu'il décide d'utiliser pour ça. Qu'est-ce que tu décides d'utiliser? Quelle est l'action que tu veux faire? Ah, c'est vrai, faut que j'aille à la proficiency pour pouvoir l'aider. Oui. Ouais. C'est pas tant le skill que je veux savoir que tu veux utiliser, c'est qu'est-ce que tu veux faire, puis je vais te dire c'est quoi le skill. Sinon, tu peux essayer de faire autre chose si jamais ça te plaît pas. Oh. T'as pas besoin d'être Yol non plus. De quoi est-ce que je suis en train de faire le clip du bout qu'on vient de faire? Oh my god! C'était terrible. Puis là, j'ai dû comme confondre. Tu me disais quoi, excuse? C'est vraiment important. Qu'est-ce que tu voulais... Genre, tu voulais essayer de monter le camp. Fait, qu'est-ce que tu veux faire pour... Y'a-tu quelqu'un qui faisait déjà quelque chose? Non. Ouais, je vais monter à la tente. Je vais monter à la tente. Je l'ai soumoué. C'est vrai. Fait que... Quel skill veux-tu utiliser pour ça? Qui aurait du sens? Monter une tente, ça serait survival, je pense. Ah, j'ai déjà utilisé. Ça peut être sleight of hand. Ça peut-tu être... Je sais quoi ton bonus de sleight of hand. Je vais faire un tool proficiency kit que je n'ai pas. Quoi? Ouais, c'est pas un tant un kit. Je de maton, genre. Veux-tu que je m'en occupe en athlétiques? Il me semble que j'ai rien fait en athlétiques. Monter une tente, c'est pas vraiment une tâche athlétique. Là. Non? Pas particulièrement. Ça dépend comment est-ce qu'elle est faite ton assistant. Ça dépend comment tu essaies de la monter. Principalement. Bon, ben, techniquement. Moi, je vais faire une investigation pour trouver un bon terrain plat pour monter. Nos... Alright! Non! There you go! There you go. Super simple! Ça, je vais t'aider. Parce que mon premier geste, c'est de la grosse merde. Mais juste un 2 puis un 18, fait qu'une chance que vous Ouh. L'avez. Fait qu'avec mon bonus, ça fait 21 total d'investigation. Fait que vous setupez le campement sans problème. Nice. Et alors que vous êtes installé dans vos tentes à dormir, Darius, tu entends que la tempête s'estompe à l'extérieur et s'éloigne pendant la nuit. Il nous reste encore une journée de voyage après ça. Finalement, ça a été comme moins long comme RP-wise, mais ça l'a pris plus que 2 jours, mettons. C'est moi qui ai mal calculé ça, vous m'en excuserez. Mais je veux savoir, on a-tu un autre short rest après ça? Pas que vous... Probablement pas. Ok, je veux mais... Ah, ok. Ce que je veux... Alors que vous vous levez avec le soleil le lendemain matin, qui est pas mal plus éblouissant, vous voyez l'autre bord du détroit, Givre Rock, et le building qui a l'air de prendre une bonne portion de sa superficie. C'est bien creepy, cette musique-là, pour... Hey, excusez-moi. Ben, je regardais l'image, ça représente bien. Ah, okay. Le stream. Excusez, oui, j'ai arrêté de dual stream, ça... Ouais, c'est juste que tantôt, tu le disais un petit peu plus qu'il y avait une image. On l'a comme... Ah, stream. Excusez-moi, oui. Ah. Et...
semblerait que le dernier obstacle qui reste devant vous, c'est de traverser le détroit. Non. Comment vouliez-vous s'y prendre? C'est, ouais, c'est ça, ça... partiellement gelé. Ok. Les traces sont-elles encore là? On pourrait essayer de les suivre. Pourrais me faire un survival, si tu veux. Ben, j'ai déjà fait survival tantôt. Ouais, mais là, on est comme... Là, c'est plus comme... Là, là, il est comme un peu... Le skill challenge est un peu fini, là, c'est vraiment comme... Je vais t'aider. Oh, nice, nice. Un autre. Parce que là, les conséquences ne sont pas les mêmes si vous échouez. Si vous comprenez. Ça a pas l'air fameux, ton affaire, Yann. 7. Avec 7. Avec genre 7, il y a pas le 1. 1 puis 4. Ok. Hein, je l'avais dit que ça pouvait pas aller. Le balancier, il revient. Là. Je pense qu'à des avantages, ça aurait fait mieux. Hey boy. Vous ne trouvez pas les traces que vous aviez vues la veille. Ah ben, des bonnes nouvelles. Peut-être qu'il est pas allé par là. On aura... Ils l'ont pas déjà trouvé. Visiblement, vers où vous allez, c'est Givre Rock. C'était peut-être juste un foiré qui est en fin de compte, hein? Prends ça, Valim, j'avais raison. Un touriste. Le détroit doit être long, right? C'est peut-être un bon kilomètre de glace. Et d'eau. Y'a un qui veut qu'on sait comment construire un bateau, genre, on se construit une chaloupe avec... Parce que là, essentiellement, on est comme dans un autre mini skill challenge. Évidemment. C'est juste que c'est plus les mêmes paramètres. Un détroit. Vous pouvez... un peu de glace. Vous pouvez passer par la glace, mais rien garantit... que le chemin que vous allez emprunter ne cédera pas. Je pourrais essayer de trouver, dans le fond, un chemin qui a l'air plus solide pour se rendre. Yes. Ça serait investigation dans ce cas-là. Ouh, je t'aide. Je donne guidance. Ouais, là... Let's go call it, ça. Alright. Vous... Tu vois... T'es comme capable de voir ce qui ferait un bon chemin. Quand même assez loin, parce que la visibilité est revenue quand même assez bonne. Même sur une longue distance. Et vous seriez capable de suivre un chemin qui a l'air sécuritaire. Sans l'avoir testé, c'est pas... Vous êtes pas capable de savoir... comment ça va se comporter alors que vous êtes 5. En envoyant en premier. Avant qu'on parte. Avant qu'on parte, on devrait peut-être tous s'attacher. Pour tous couler avec le poids de Yol. Ouais. Pour être capable de tirer quelqu'un si celui-ci tombe dans l'eau et glisse sous la glace. Comment qu'on va s'atteindre sur de la glace? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça glisse. Fait que ce qu'on a... Oui, ça glisse, mais je veux dire... J'espère non plus comme si elle avait été lissée, cette glace. Ça ressemble qu'il y a un mouton et de la neige sur la glace. Quand même, ouais. Ok. Il y a définitivement plus de vent, comme... Malgré qu'il n'y a pas de tempête par-dessus le... par-dessus la glace. C'est pas comme genre la glace. Non, 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 non. Et tu fais juste glisser par là. Non, non, c'est pas exactement. C'est plus la structure que le glissage. Parce que si on n'est pas attaché et qu'il y en a un de nous qui glisse et qui tombe dans l'eau, s'il se retrouve sous la glace, il meurt noyé.
forcément. Je pense que Nego a raison. Hey, parlez, vous avez pas quelque chose pour empêcher de se noyer? Bon, d'accord. Peut-être pas mourir noyé, mais mourir gelé, ça me tente pas plus. Ne crois pas que le sortilège protège contre l'hypothermie certaine. Je suis tombé dans l'eau à cause de ça. Genre, ok. En gameplay terms, l'eau est assez froide pour vous faire des dégâts au contact. Mais au moins, on aura plus le problème de genre manquer de respiration. Non. Un problème de moins. On va s'attacher, ça devrait être correct. Si je tombe dans l'eau, moi je peux flotter, c'est beau. Puis de toute façon, on est 5. S'il y en a même si c'est toi, Yol, qui tombe dans l'eau, on peut quand même te retirer. Fait que je vais attacher tout le monde. On right. Attache comme si on était genre sur une baby leash. On est à la garderie, là. À la garderie. Inversé. Fait que je pense qu'on met Yol en premier, comme ça, genre on va savoir tout de suite si ça prend le poids. Après ça, dans le fond de l'ordre qu'on se met, là, comme... J'ai tendance à dire que si Yol est en avant, Darius est en arrière de toi. Ouais. Puis Anaïque, il faut peut-être qu'elle se... Ben... Ouais. Ouais, peut-être pour qu'elle ait la force de tirer d'un bord comme de l'autre, là. Parce que c'est moi qui ai le plus de force. Pis genre, si Darius ou Yol tombe, on va en avoir besoin. Right. Valim du côté de Yol. Pour équilibrer les poids de chaque côté d'Anaï. Je pense que genre Mouton va pas checker le balance. C'est pas un physics game. Non. Là. La prochaine partie de la game se déroule dans Bridge Builder. J'ai ça. Oh man. Subtilement range Bridge Builder. Range la tour de Jenga. Non, on commencera pas à jouer à Dread à distance, là, s'il vous plaît. Oh my god, Dread. Parfait. Fait que le fait que vous êtes attaché va modifier les DC, évidemment. Fait que commenciez-vous à vous déplacer? Oui. Alright. Comme qu'ils disent, vous ça a l'air que tu nous guides mieux que moi. Claude, Yol essaie de vous guider dans le chemin que Villiers avait vu. Avait trouvé, surtout. Fait que... Fait que Yol, puisque tu es à l'avant, je vais te demander un acrobatics check. Oh non! Je suis un mongol des strings! Tu sais, quand ton mongol dit oh non, pas de l'acrobatics! C'est un mongol de merde! 25! What? J'ai voulu 6! Oh my god! Il y a juste 5, ouais. Oh, on perdait Darius. Sa caméra reflète comme il y a le présent. Avec. Vous êtes rendu à peu près au corps. Ok, gang, du chemin. Et Yol fait un pas et vous entendez tous l'espèce de. De la glace qui fend sur une grande superficie sous vos pieds. Faites toutes les autres, faites-moi des Dexterity Saving Throw pour vous ramasser de l'autre bord avant que l'eau commence à monter par-dessus la glace. 18. 7. 10. Ok. Oh non. C'est assez. C'est un DC de 10. C'est juste qu'à vous le faire tous faire... Je pense que j'ai plus 6. Ouais, je veux dire. Hey boy! Ah, mais deux, je suis pas incurie, là. On l'avait dit qu'on allait tous mourir, hein? Ouais. On serait même pas à Givre-Rock, on est mort. Hey, on serait même pas capable d'en revenir de Givre-Rock, on va encore sous la glace. Il y a peut-être un bateau de l'autre bord, pis c'est juste l'autre bitch des réverbères or something qui l'a pris.
C'est pas fou. Ou on endwave quand vous revenez comme tout le temps. Premièrement. Yes. Fait qu'on s'est tassé. Fait que beau travail, vous avez tous réussi à traverser l'étendue de glace cassée. Et après cet incident, vous réussissez à vous rendre l'autre côté du détroit. Oh my god, je vous ai même pas fait perdre de PV. Genre, imaginez-vous ça, gang. Wow! Imaginez-vous. Il y a Villiers qui a eu un niveau d'exhaustion, malheureusement. Mais ça, c'est juste pour lui. Moi, j'aurais aimé me battre contre les doutes qui vont prendre un niveau d'exhaustion, pour être honnête. Je vous cacherai pas. Il y a beaucoup de ce soir qui est en Theater of the Mind pour la simplicité et la rapidité de la chose. Et je propose que nous prenions la pause sur votre arrivée à la nécropole. Appelez ça comme ça. Ça, c'est des mots qui allument, ça. Non! Non! Et je propose qu'on revienne à et 50 ou 55, on verra rendu là. À tout à l'heure.
à reprendre. Bonjour tout le monde. Ben oui, la folle nous attend. Bonjour tout le monde qui est dans le stream en ce moment, bonjour. Dans le chat. Tous ceux qui écoutent la game plus tard, là, qu'est-ce que vous aviez mieux à faire que regarder jouer à D&D ce soir, hein? Si vous écoutez la VOD, là... Comment osez-vous? Hey, pour ceux qui écoutent la VOD... Bonjour, chat. Je me réponds à moi-même. Mais pris un rum and coke pour oublier votre cruauté. Ben voyons. Tant de rage. Avec les futurs, regarde. Voilà. J'étais l'exploitateur. C'est correct, on va jouer à D&D dans notre coin tout seul. Pas d'amis, on va avoir du fun sans quiconque aurait regardé la game de toute façon. Non, on va se faire du fun avec on notre quête. On n'a pas besoin de seul. On partagera pas le loot avec personne d'autre. À toi. Fait que... Ça va être notre loot à nous. Maintenant que nous sommes revenus et que vous êtes rendus sur l'autre côté du détroit. Genre, j'ai commencé à saigner vraiment beaucoup. Saigner de où, donc? Mon sang. La gueule. Chaigne du sang. Chaigne du sang, là. Ben oui, chaigne pas autre chose. Ouais, mais de où, genre? Ah, je me suis coupé. Je me suis... Comment t'as fait ton compte? Raconte-nous ça, écoute. Non, non, là. Avec la tempête qui s'est éclipsée. Surtout, ceux qui sont proficient en survival peuvent me faire des checks. Fait que Villiers. Je vais le faire avec mon beau désavantage. Oh non, c'est vrai. Ça, c'est du bon désavantage. 21. C'est ce que je me disais. J'ai quasiment envie de le rouler juste pour voir à quel point je suis pathétique à côté de toi. J'ai poigné un 16, c'est un 17. 4 pour ma part. Plus vous vous rapprochez de l'espèce de montée pour aller dans la structure, tu remarques par terre des traces de pas. Ils ont définitivement pas de l'air si vieille que ça. Tu vois une série de traces? Une série. Plusieurs. Une seule. Il y a quelqu'un d'autre ici. Ça fait pas très longtemps qu'il est passé. Il va falloir faire attention et parler un peu moins fort. Hein, Valim? Pourquoi c'est à moi que tu le dis? C'est toi qui hurlais. Ça fait genre une journée, là, mais comme... Il y a des gens qui restent comme des jokes de notre chicane, de l'aimer. Excuse, Valim, je m'en prie. Ouais, t'es mieux discret. Fait que vouliez-vous faire des jets de stealth, si vous voulez être discret? Ish. Est-ce que je veux? Pas vraiment. 10! Est-ce que quoi? Combien de temps t'as peur? Si vous voulez pas être subtil, vous pouvez ne pas être subtil. Vous pouvez juste ne pas être subtil, puis ça va être ça. Parce qu'il y a trois personnes qui ont des avantages en ce moment. Exactement. Un heure. On est loin du bâtiment ou proche du bâtiment? Plus vous vous rapprochez, plus vous vous rendez compte à quel point le building est immense. Je pensais que tu allais dire plus vous vous rapprochez, plus vous êtes près du bâtiment. Je suis pas encore assez fatigué pour ce genre de quiproquo de même. On va te surveiller. Tu sais, vous êtes quand même peut-être une dizaine de minutes du bâtiment. Tu cacheras ton truc quand on arrive au bâtiment, proper. Pas comme si on allait se cacher dans tout le drap, là. On peut essayer d'avancer de façon discrète tout de suite, puis au pire, on se cachera, puis on... Non, on marche que... Ça a l'air pas mal désert en ce moment, en tout cas. Même en termes de végétation. Fait qu'on essaie pas discret, on avance normalement.
Ok. On va demander au chef d'expédition, comme Vince Lemar. Oh my god. On te regarde, Valim, c'est ta responsabilité, c'est sur tes non. épaules. C'est tes chiffres, c'est ta faute! Ok, ben moi je prends la décision qu'on avance sans stealthy pour l'instant. Ok. D'accord. Vous. Ça vous prend justement à peu près une dizaine de minutes à vous rendre aux escaliers qui montent sur ce qui a l'air d'être une grande passerelle qui vous funnel vers une grande statue agenouillée. Elle a un bouclier et une arme à côté d'elle, plantée dans le sol. C'est une grande... C'est géant, là. C'est un titan, là. C'est une grande statue de pierre. Et il y a une écriture sur son bouclier. Dit « Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort. » Ok, Dante. Devant la statue... Ah oui, oui, tu voulais faire une religion, vas-y. Ouais, c'est ça. Pour alors que si vous êtes quand même assez... Je peux en faire un aussi? Oui, si vous êtes professionnel, je n'ai pas de problème. Vas-y, parce que moi, j'ai pas mes 6. Un 18 et un 20, ça fait 22. Mon dieu, on va te donner des exhaustion level plus souvent, mon beau. My god! Finalement, même l'exhaustion veut pas, genre, laisser comme les en bas de 20. Hein. Ou presque. Tu... C'est du peu d'histoire puis de religion que t'as que c'est la nécropole où ont été enterrées les armées défuntes de Karn le Conquérant à l'époque. Je sais pas si c'est qui nous sollicite, mais il est vraiment cave. C'est un vieux building. Mais il y a pas juste des morts de Karn le Conquérant dedans. Il y en a aussi qui ont été plus récemment amenés. Les principalement d'autres soldats tombés au combat lors de la conquête de Califor. Premier, qui lui n'est évidemment pas enterré là. Tu sais que Karn a été enterré là. A été gardé là, mettons. Donc, je leur dis ça au reste du monde. Karn le Conquérant. Il y a des légendes qui disent que ce serait l'ancêtre de la famille Winarn. Et comme son armée ici, en ce lieu, un endroit où c'est qu'il y a des morts vivants, il y a de fortes chances que ça soit gardé. Pourquoi qu'il y a eu ce premier à demander à se faire enterrer ici? Je le sais pas, mais j'ai le sentiment qu'on va le découvrir avant longtemps puis qu'on va le regretter. Ouais. Ça fait aucun doute. Fait que, est-ce qu'on écoute pas le seul et unique conseil qu'on a ici, puis on avance? On a arrêté, puis maintenant on continue. Ah, ok, c'est comme plus un stop, dans le fond. Oui, Detect Undead, yes. Définitivement. Mais, alors que vous avancez sur l'espèce... de passerelles qui mènent à la grande structure à partir de l'extérieur. Les traces ont l'air de s'arrêter un moment et de repartir. Peut-être on stoppe aussi. Fais faire un jet d'investigation. Ouais. Est-ce que je peux aider Valim? Tu peux aider quelqu'un à la place, oui. Ça va être 15 plus 5, 20 pour moi. 23 finalement, avec l'aide de Villiers. Mmh. Alright. Mmh. Fait que... Valim le trouve en premier.
Il reconnaît tout de suite c'est quoi. Ça a l'air d'être des bouts de parchemin qui ont été utilisés. Est-ce que je suis capable de déchiffrer c'est quoi? Tu peux me faire un arcana. Arcane-nous ça. Peux-tu faire un guidance? Ben, vous avez le temps là, genre. Ouais, mettons que c'est ça qui va me sauver. Hein. 13? Oui. Tu crois que c'est un Dispel Magic? Oh. À peu près une quarantaine de pieds devant vous, il y a la grande statue et à ses pieds, il y a deux autres plus petites statues. Il y a quelqu'un qui a utilisé un parchemin pour dissiper la magie ici. On devrait dire merci, c'est peut-être à cause de lui qu'on est capable de rentrer. Est-ce que c'est encore actif? Aucun moyen de savoir, là. C'est instantané comme effet. Comme si enlever le sort n'est plus là. En théorie. Espérons-le, en fait, parce ça, que... mais j'en sais rien. Quelque chose comme ça, oui. Statues, hein? Les statues sont toutes pareilles, les trois? La grande, c'est comme l'espèce de... Maintenant que vous êtes proche, vous êtes capable de voir que son visage est splitté en deux d'une version qui a l'air d'avoir une version comme vivante puis une autre squelette. Et les deux statues qui sont comme l'air d'être le point où la passerelle devient comme une plateforme pour rentrer dans les portes proper. Et les deux statues sont pareilles, les deux. Ça a l'air d'être des figures encapuchonnées. Pas de l'air d'être des soldats. Et elles se regardent. Que faites-vous? Bon, alors. On avance. Ouais, faut genre se trouver une zone manifeste ou quelque chose comme ça, puis empêcher quelconque méchante personne de faire quelque chose. Tout simplement. Ouais. Est-ce qu'on essaie de se méfier des statues? Parce que franchement, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Ben, chercher. T'as-tu pensé à ça? Bon, ben, aucune avant statue. Ça... Mais la statue est pas genre de l'autre côté? Ok, moi j'ai entendu un « je poke la statue ». Avec ouais, mon arme, mais ouais, genre, dis-moi, je suis comme pauvre. Fait qu'on va aller sur Fang. Et on va rouler une initiative alors que la statue s'active et. Fait tellement des choix, man. Écoute, c'est un robot, à quoi tu t'attends? Et. J'active d'autres robots. Tu me dis, fais attention à la statue, je suis comme. On va savoir tout de suite. Et. La statue est... C'est vraiment une créature étrange. Ok, c'est-tu comme... Ok, non, c'est les petites statues de ses côtés. Je pensais que c'était comme la fucking statue. Non, 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 c'est précisément ça, justement, genre... Que, okay, que ce n'est pas. Ah, oh, mais on crisse, là. Une mouton, t'as... Genre, pourquoi t'as dit ça de même? De quoi que j'ai dit? Que j'ai dit? Précisément ça! Que ce n'est pas! Je m'en suis pas rendu compte! J'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, wow. on va mettre un. Clip ça, man. J'en reviens pas à quel point j'ai pas compris ce que j'ai dit. J'en reviens juste pas. C'est exactement ça que ce n'est pas. Fait que on peut, genre, définitivement, Darius est à côté, mais les autres, yes. Vous êtes à peu près placés comme vous voulez. Et il y a un effet qui déclenche instantanément au moment que Darius poke la créature. Le regard nécrotique du Bodak. J'ai le style Bodak, man. C'est quoi un Bodak? C'est la colère de mort, tu sais que c'est. Il manque les nez à gueule. Oh, excusez. Oh, oh, oh,
Ah ouais, let's go là, gros chiffre, gros chiffre. Ah, ça, mon initiative match, mon cluelessness, ça va bien. Et ce qui se déclenche tout de suite, vous devez tous faire un Constitution Saving Throw. C'est-tu du poison? J'ai avantage. Attends, là, je... 21! Fail. Ben, j'ai 9. Pas mal sûr. Fail. Ok, le DC c'est 13. Si vous le failez par 5 ou plus, dites-le moi. C'était combien le DC, excuse? 13. Ah, oh, j'ai 13. Est-ce que c'est un poison ou un disease? Ce n'est pas un poison ou un disease. Ok. Constitution. Ah, oh, j'ai eu genre 21, easy. Fait que la seule personne qui l'a pas eu, c'est Villiers. Ouais. Ok, tu l'as aussi. Et alors que la créature s'active, vous êtes tous capables d'avertir vos yeux pour ne pas manger les dégâts, mais Villiers, tu te manges 20 de nécrotique, de psychic damage. Ok, non, non, on meurt là. Quoi? Vous pouvez, au début de votre tour, décider de ne pas regarder la créature pour ne pas subir l'effet. Ça fait que vous avez des avantages pour la toucher. J'ai ça. Et c'est tout de même à Villiers de commencer le combat parce qu'il a justement mangé des dégâts lui, alors qu'il était un peu plus fatigué que les autres. J'assume que c'est une surprise pour l'effet de... L'effet est une surprise, mais il n'y aura pas de tour surprise, à proprement parler. Parce qu'il est dans ta face, là, essentiellement. Ouais. Donc vous le voyez, là. Dans le fond, si je le regarde, constitution check? Ou... Ouais. Faut que tu décides, sinon il faut que tu refasses le saving throw. Tu sais que t'as pas des avantages pour le saving throw, right? Mm-hmm. Ok, parfait. Juste être sûr que tu... Tu sais. Oui, oui. Il s'en est un petit peu plus loin, lui. Que tu meurs pas violemment à cause de ça. Oublie pas que t'avais 9 PV temporaire. Hein. Oui, ouais. Aussi. C'est compté. Oh my god, c'est vrai. J'ai noté sur ma feuille, là. Fait que c'était quoi le DC, là? Moi, je me suis pris de quoi? Le DC, c'est pas... Non, vous avez rien. Il y a juste moi qui ai mangé des dégâts. Hey, salut Fred. Re-bienvenue dans le chat. Je vais... Oh, hell yeah. Essayez le save. Pour tu veux prendre le saving throw? Alright. Voices. Hey boy. Combien? 18. Parfait. Bon, je vais commencer par tirer dessus. Stage ici. 13 de CA. Ça ne touche pas. Deuxième attaque. 16 de CA. Ça touche. Good. Alright, let's go. Favorite food. 1+1+1+4. Oh mon dieu! Et quel type de dégâts est-ce que c'est? 7 piercing magic. Alright. C'est bon. Troisième attaque. Hey boy. Ça touche. 20. Et dégâts.
7 de dégâts piercing magic. Alright. Je vais... Là, c'est ta... ça va être ta quatrième attaque du... parce que c'est le premier tour? Dans le fond, j'ai fait, moi, là, j'ai fait mes trois attaques, mais reste mon bonus. Ok. Le monstre, est-tu mort? S'il vous plaît. Non. Avec les pas de dégâts que j'ai faites. Bon, je vais tirer encore dessus. Fait que dans le fond, je vais... dans mon autre main, au lieu d'être mon épée, ça va être mon bouclier. Je dois dire que c'était vraiment un ballsy move de prendre le... le saving throw! Ça te combien de PV, là? Je suis presque plein, voyons. Ben, y'a... ben, regarde mon personnage, c'est pas si pire. On check, là. Voyons, j'ai trop de tapes d'ouvert, là. Je cherche tout le temps fucking Foundry. 26 de CA, fait que je crois que ça touche. Oui, oui, oui. J'y crois pas mon dé. 5 de... 5 de dégâts. Piercing magic. Et je vais... Tu peux te déplacer, évidemment. Me placer là. Alright. Fin de tour? Fin de mon tour. Ça va être autour du Bodak. La bébé. Pourquoi ma fenêtre d'initiative dans le... Tu vois pas quoi? C'est vrai. C'est vrai. Y'a pas l'initiative tracker... C'est un onglet à droite. Faut que tu l'ouvres. Je les vois pas, je les vois pas on screen, genre. Non, c'est normal. Il était là dessus, non? Non. C'est l'espèce de point? Right, non, right, je me mélange avec Roll20, excuse-moi. Ah, c'est ok. Ouais, c'est ça. Ah. Le Botak va activer son Aura of Annihilation. That sounds nice. Il y a des mots que tu dis, là, que je préférerais que tu dises pas, ok? Et... J'aime donc bien pas ces mots. Et vous allez tous manger 5 de Necrotic Damage. Ah. Non. Ok, non, non. Ça va être à la fin de votre tour. Ok. Mais non, je peux juste le prendre tout de suite parce que comme... C'est sa bonus action. Sinon. Et il va faire un saving throw à Darius qui est en face de lui. Un constitution saving throw. J'assume que c'est pas du poison. Non, non, non. Ah. 17. 17. Alright. T'as pas de l'air propre comme cochonnerie, tu. Ouch. J'assume que c'est un succès. À 17. Fait que tu vas te manger 15 de necrotic damage sur un succès. Oh! C'est pas le fun. Et il va te faire une fist attack. Hey! Mais ne te touchera pas avec 15, j'imagine. Non. Ok, bon, ben c'est ça. Darius, il est dur à toucher. Il est dur à atteindre. Alright. Anaïg, veux-tu regarder la créature? J'ai une question. Oui. Il est sur le bord d'un précipice? Ben, il est descendu de son piédestal, là, by the... to be fair. Là. Ok, Chauve-le. Ben, dans le fond, si je le chauve vers l'arrière, comme vers le précipice, il va pas tomber. C'est ça. Faudrait que tu sois... Genre, tu peux juste le propulser plus loin que toi, right? Je peux aussi l'attirer vers moi. Mais... Ça mettre là, puis genre, ouais, il faut, faudrait que tu sois comme... plus dans la direction de Villiers pour que ça marche. Ouais, ben c'est ça que j'anticipais. En fait, vu que ça dit... One creature you can see... J'aurais pas le choix de la regarder. Ouais, t'auras pas le choix de la regarder pour ça. Fait que,
On va commencer tout de suite par ça. Je la regarde. Alright. Ah, j'ai roulé 19 puis j'ai un plus 5 en comme Steve Saving Throw. Ça va bien. Seems to be okay. Je vais aller là. Pousse-le, pousse-le. J'ai deux façons de faire la chose. Fait que je vais commencer avec la façon la plus cool qui est as a bonus action. Je vais essayer de le pousser télékinétiquement. Fait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, lui? Il faut qu'il fasse un strength saving throw de 13, si je me trompe pas. Ok. C'est 8 plus proficiency, fait que ça veut dire plus 3, plus mon ability modifier. Ouais, c'est 13. De 2, fait que ça va être 13. Ouais. Il a pogné 13 sur le dé. Oh! Ok. So that was my bonus action. Fait qu'on va y aller vers la moins cool des solutions, qui est juste l'action, shove. Alright, fait que tu te réessais, let's go. C'est considéré comme une attaque. Oh my god, oui, c'est vrai. Tu peux faire plusieurs fois. Fait que shove c'est un athlétique. Ok, fait que je fais mon athletics. Mm-hmm. Hey, puis, il fait quoi athlétique ou acrobatique pour 14 plus 7, ça fait... 21. Ouais, puis là, lui, il faut qu'il résiste à ça aussi. Avec en athlétique ou acrobatique. Tombe! Nat 1. Oh! Yes! Alright. Fait que ça le pousse de 5, ça, right? Ouais. Alright. Je vais le mettre drone, mais je préfère le pousser de 5 en arrière. Il va quand même essayer de se rattraper alors que tu fais ça. Seems fair. Et il va réussir à se rattraper avec ses espèces de grosses mains noires momifiées. Do it again, do it again. I'm gonna fucking do it again, bitch. I'm a fucking... On va réussir le... Ben, tu vas... C'est désavantage pour essayer de le pogner, parce que là, il est comme... Il est comme une case en dessous de toi, pis... Mais si il est pas facile. Ouais, mais c'est comme s'il y avait cover, genre. Ok. Fait que... j'ai désavantage, fait qu'on va... En tout cas, c'est de même je le vois, là. Il est comme oui, prone... Pour Anaïg. C'est peut-être pas l'affaire la plus efficiente, mais c'est l'affaire la plus cool. Qu'on ouais, c'est ça, là. Fait que dans tous les cas, genre... Fait que... Ok. Puis avec des avantages... Oh, ça c'est moins bon. Ça va être un 16. Un peu pire. Tu le bats de 1. On a one-shoté ton mob. Hey, man! I mean, to be fair, genre, vous auriez pu tout failer, genre, vraiment mal les saving throw plus qu'une fois. Les dés sont en votre faveur. Yes. Yes. Et je veux plus jamais voir une créature comme ça. Il tombe dans les rubble en bas. Il y a pas un gros ravin, là, mais c'est comme un 15, un 20 pieds à peu près, là. Pis y'a pas vraiment moyen. Vraiment pas débarrassé. Genre, vous en êtes pas débarrassé, mais il est vrai. Ouais, ben, je peux comme pas facilement représenter comme la profondeur sur une map 2D. Je pensais que c'était full-on, genre un Star Wars drop. Non. Genre, y'a quand même des robots là, un peu partout, mais définitivement. Ah oui, attends. Il est comme à moins 20. Fait que techniquement. On tire. Il y a juste Darius qui serait en range s'il finissait son tour. Là. Mais... C'est-tu pas du dégât? Oui, attends. 20 pieds, c'est 2d6. Ouais, c'est ça. Puis à la fin de mon tour, je mange le 5 de nécrotique dont tu parlais tantôt. Non. Ben, il est rendu loin. Non, parce qu'il est rendu, trop loin. Et il va... Ta gueule, t'allais pas manger non plus? Non. Non. Pas encore. Vous êtes vraiment mardeux, genre, en ce moment. Là, ça veut-tu dire que je me le prends... Ça veut-tu dire que je me le prendrai pas pantoute, le 5? Ouais. Ben, c'est à la fin de ton tour, fait que non. Ben, ça dépend. Si tu vas être proche de lui, oui. Il s'est mangé... Attends, c'est falling damage, c'est du bludgeoning damage ou c'est du force? Bludgeoning. I guess. Tu plantes contre des roches, là. Ouais, c'est dubious si tu peux réduire le bludgeoning avec ça. Ouais, je pense que je vais genre juste faire full damage avec ça.
Il s'est mangé un beau grand 10 de bludgeoning damage. Nice. En tombant à terre, et il est prone. Oui. Mais il a pas l'air d'être hors de commission quand même. Là, la question c'est, voulez-vous essayer de le finir puis peut-être l'avoir d'impact? Ou voulez-vous partir? Moi, je pense que prendre nos responsabilités, c'est vraiment pour les... Puis partir, dans le fond? Ben le trou, il ressemble à quoi? Genre, est-ce qu'il y a comme un endroit qui serait capable de juste grimper les marches? Ben, il faudrait qu'il longe la passerelle jusqu'aux marches d'où vous êtes monté, genre. Ok, faut qu'on le deck. Fait que c'est une bonne distance. C'est... plusieurs... peut-être une centaine de pieds, genre. T'sais, ça va vraiment le plus loin que la map. Ok, fait qu'il est pas juste dans un trou qu'il pourra jamais remonter. Il peut éventuellement faire le tour. Il pourra pas jamais remonter, non, c'est ça. Mais là, on peut quand même prendre l'avance puis s'enfuir, puis genre être juste... Vous pouvez aussi juste vous enfuir puis vous... faire qu'il vous retrouve pas. Est-ce qu'on fuit? C'est vous qui voyez. Ben, c'est parce qu'il va être encore ici de tantôt. Parce que quand on la regarde, on peut se manger du dégât, genre. Ok, on peut continuer. Il y a peut-être une sortie par en arrière. Moi, je vote qu'il y a... Bye! On se pousse. Fait que vous poussez. Alright. Je vais être 100% sérieux, là. J'ai jamais pensé au fait que vous pourriez le garocher en bas. Jamais en 100 ans, genre. Moi pis Linda, on a une conversation de exactement ce genre de situation-là, genre... Attends, de quoi? On a eu cette discussion-là de comment que ça marche les mécaniques de pousser, vous avez pas de même, genre... Oh my god, vous étiez juste prêt. Ça fait une éternité que je veux utiliser Shield, j'ai jamais l'opportunité, pis là j'ai juste fait comme... Maintenant que j'ai Mage Hand, pouf! Dans l'habitude, c'est pas Mage Hand, là, mais... Ouais, mais tu sais, c'est avec mon je te le laisse. Qui me donne mes droits aussi, là. Fred, tu vas fucking ramener le Bodak la semaine prochaine. Correct. On sera fucking pas prêt, là. C'est correct. Il va être malade. Il va être... Je suis tellement prêt, là. Il va être plus faible, probablement. C'est pas grave. Mec. En tout cas, cette fois-ci, ils se feront pas prendre avec notre trick de marge. C'est un problème pour le futur. Bodak 2! Bodak 2! Je suis d'accord. Ben, il y avait deux statues, right? Mais l'autre, pas l'air d'avoir réagi à quoi que ce soit. Good. J'en touche pas. Ok. Bodak 2.2. Fait qu'on rentre à l'intérieur, I guess. Fait que j'imagine que vous continuez à suivre les traces. Ouais. Seigneur, excusez. Sur le petit chemin, je vais juste dire comme... C'était quoi ça exactement? Tu fais un jet de connaissance quelconque? Je pense que c'était un monde. Je dirais un religion le ferait. Je te donne avantage. Tu me donnes avantage? Ouais, les jets de connaissance pis aider. Ok, d'abord. Bah, essaye moi tout d'abord. Ah non. Dommage, avec avantage, ça aurait été beaucoup mieux. Que 8. 8 ou 21, c'est pas tout à fait pareil. Avec la logique, ça serait un bon bet de dire que c'est probablement un undead. Malgré un 8, là. Correct, ouais. J'ai du radiant. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Mais j'ai juste pas eu le temps, vous avez été tellement vite. C'est vrai. Disons que j'ai pas eu le temps de trop réfléchir. Oh non, mais t'as été vite dans le bon sens du terme. Oh. Suspicious. Fait que vous entrez dans une grande salle circulaire. Après avoir voyagé un longtemps à l'intérieur de la structure. Vous avez passé entre les jambes du titan à l'entrée. Prend presque pas une dizaine de minutes de marche à l'intérieur de la structure. Hey, mais le gars qui est enterré ici, il est ou très grand ou très orgueilleux. Hein? C'est un roi. Vous, sur les murs... Ok. Sur les murs,
il y a plusieurs des mosaïques de crânes et dos qui forment des motifs. Imaginez Nécropole de Paris. Les catacombes de Paris. Non. C'est une nécropole quand même. Là. Vous débouchez dans une grande salle circulaire. Et vous arrivez face à face avec une espèce de grande structure qui monte dans le ciel. Au-dessus, comme un grand dôme qui s'est formé. Ben, qui est formé, pas qui s'est formé. Comprenez ce que je veux dire. Les traces mènent à l'intérieur de cette structure-là, qui est... L'extérieur est excessivement luxueux. Même comparé au reste. Je crois qu'on se dirige dans la bonne direction. Ça me donne quand même froid dans le dos comme endroit. Ouais. Surtout qu'il y a quelqu'un qui nous a devancés. Vous êtes capable? J'ai l'impression que c'est là qu'on devrait être discret. Ça peut être une bonne idée, effectivement. Alors que, genre, un point important par rapport aux traces. Dans le fond, il y a une légère couche de neige sur partout. Parce qu'il y a plein de spots que vous pouvez voir le ciel, tellement la structure est grande. Les traces rentrent et ressortent. Tu les vois partir vers un de ce qui a l'air d'être quatre corridors qui communiquent avec cette chambre principale-là. Revenir et re-rentrer. Est-ce que vous êtes capable de voir sans rentrer, mettons? Dans le fond, il est rentré dans 3 des 4 passages, si je comprends bien. Non, dans le fond, il y a comme 4 portes autour, et il y a une structure au centre qui a de l'air d'une grande tour dans le building. Et les traces vont entre 2 fois là-dedans, mais n'en ressortent qu'une seule fois. Et il y a une des quatre portes qui a des traces. Une fois qu'ils vont, une fois qu'ils reviennent. Je pense qu'on devrait faire le même trajet. En fait, je pense que... Ou juste aller à la fin direct? Ben, je pense que qui que ce soit est déjà dans la tour. On s'en va là où ce que le cas est déjà? Ben, je dis le cas. L'individu. Je crois que c'est un des... C'est mieux de le surprendre que de se faire surprendre par lui pendant qu'on fait autre chose. La seule question qui reste, c'est... Ce sera après ça de voir où est-ce qu'il ou elle est allé. Ouais. Bon, alors essayons d'être discrets. Essayons de comprendre ce qu'il fabrique ici. Alright. Fait que, premièrement, je vais vous demander des jets de stealth. J'imagine que tu te demandes ce qui fait Pass Without Trace. Ouais, je vais le faire. Alright. Ça fait quoi pour nous? Plus 10 dans stealth. Et vous ne laissez pas de traces dans la neige. Pas de traces dans la neige non plus. Which is nice, sérieux, j'aime. Fait que minimum... Ça réduit le bruit. Je suis content de t'avoir avec nous, Villiers. Votre minimum, c'est 10 parce qu'il y a un moins 1. Ouais. J'ai 24. On a 21. En désavantage. J'ai 17. Rouler un 10 puis rouler un 10, c'est bien. Fait que je pense que ça me donne 21. J'ai 23. Fait que le plus bas c'est 17, c'est ça? Valim? Ouais. Ok.
et vous vous dirigez vers la tour principale. Ouais. Vous avancez délicatement, vous surprenant vous-même à ne pas faire de bruit alors que vous avancez, et ne laissant pas de traces dans la neige sous vos pieds. Alors que vous tournez le coin et ce que vous attendiez presque à être la crypte principale est en fait une espèce de grande tour vide. Vous voyez que la pièce est ronde, qu'il n'y a pas de plafond. Il y a un petit peu plus de neige ici. La pièce va assez haut au plafond que vous n'êtes pas capable de voir le bout. Juste l'espèce de gros spot de lumière que ça cause. Et un plancher bien normal. Caché par la neige, justement. Vous voyez au fond ce qui a de l'air d'être une espèce de place avec des creux dans la pierre. Et du texte écrit au mur. Il n'y a personne. Vous êtes capable de voir que les traces mènent jusqu'au fond, où il y a l'espèce de marque et de... ce qui a de l'air de des socles. On va aller voir. Le texte, est-ce qu'on est capable de lire ce qui est écrit? En vous approchant, j'imagine que vous rentriez dans la tour, dans le fond. Ouais. En entrant dans la tour. Deux jours behind schedule, genre, fait que... Une chose que vous voyez alors que vous continuez de suivre les traces, c'est que, effectivement, il y a une seule paire de pieds qui revient. Il y a une trace qui a juste... comme si il faudrait que ses pieds soient encore là. Devant des inscriptions qui lisent comme suit. Ici J, ceux dont même la mort craint. L'existence éternelle leur est accordée. Pèlerins, la vie sera votre ignorance et votre aveuglement. Ramenez ici la marque des vaillants et embrassez l'éternité. Pensez-vous que c'est comme une formule magique? À côté de ça, vous voyez une espèce de structure sculptée à même la pierre, le mur. Et il y a... ça a l'air d'être des creux... à même la pierre, et il y en a un qui est occupé par une espèce de petite pierre. Une pierre comme une rune. Gravée à même une pierre. Est-ce que je peux l'examiner? Tu peux me faire un arcana. Ouais, c'est ça que j'allais demander. 23! C'est... j'essaie de voir ce que ça pourrait être, mais... à part être peut-être un réceptacle pour comme un sort qui fait de quoi quand tu la poses là, tu serais pas bien capable de dire plus. C'est... fait que là, il y a des socles qui sont prêts à recevoir des pierres semblables à celle-là. C'est ça. Ouais. Il y en a combien? Il y a 10 spots en tout, puis il y en a un occupé. Ouais, c'est ça. Ça dévie pas mal de la formule magique de Zelda de 3 objets à placer. Ben, ouais. Peut-être que ça en prend pas 10 pour faire quelque chose. Il y a déjà le gars qui est disparu. Si vous essayez de manipuler la pierre, ça... ouais, il y a un petit peu de résistance. La pierre ne bouge pas si j'essaye de la prendre? Non. Pensez-vous qu'il va être jamais dans un autre monde si on l'enlève? Sortez-moi une crowbar, ok?
je crois qu'une fois placée, la pierre ne veut plus, ne se laisse pas. Dans le background, il y a Fiole avec une crowbar. Yo, non! Pendant que Valim est comme, je pense que ça marchera pas. Pis pendant ce temps-là, t'as Vili en arrière qui donne comme un coup d'épée où c'est que les traces sont. Genre comme s'il y avait quelqu'un devant. Et il n'y a pas personne d'invisible si c'est ce que tu pensais. C'est ce que Vili testait. Non, mais de toute façon, Mouton, est-ce que je dois... Faut que je te rappelle peut-être. Mon familier détecte l'invisible à 30 pieds. Il n'y a rien d'invisible. Ok. Ça aurait été fucking drôle que le gars il a juste comme arrêté de bouger quand il y a ce qu'on arrivait. Oh my god, ça, t'es bon. On l'a. Non, mais tu vois, c'est comme dans un GN, là, le dos il est comme de mort. Ouais, puis là, on le contourne, tu sais. Je vais m'approcher de la pierre. Est-ce que c'est ça la marque des vaillants qui est mentionnée dans le texte? C'est peut-être ce qui a été cherché dans l'autre pièce. La marque des vaillants. Qu'est-ce qu'il y a de vaillant à ramener une pierre d'une autre pièce? Ouais, c'est sûr, c'est peut-être pas l'affaire la plus vaillante au monde. Mais ça dépend qu'est-ce qu'il gardait, cette chose. J'ai confirmé le texte là, qui était écrit, c'était en commun ou dans une autre langue? C'est comme du vieux commun. Mais définitivement, vous êtes capable de le lire. Là. Les S, c'est genre des V ou je sais plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme lire du vieux latin. Là. T'es capable de le prononcer, mais... La graphie est un peu weird, mais comme... Grosso modo, vous êtes capable de déterminer ce qui est écrit. Là. Que voulez-vous faire? Ben, moi, je pense qu'il faut trouver les autres rushs. Ou au moins 5. Ouais. On va aller voir qu'est-ce qui a été cherché dans l'autre pièce. Alright. Peux-tu juste me relire le texte? Oui. En fait, peux-tu l'envoyer dans la session? Oui. Ouais, si tu l'as décrit quelque part, ce serait idéal. Session. Oh non, pourquoi ça fait ça? Il y a comme des enter weird. Des faux enter. Ok. Ici J, ceux dont même la mort craint. L'existence éternelle leur est accordée. Pèlerin, la vie sera votre ignorance et votre aveuglement. Amenez ici la marque des vaillants et embrassez l'éternité. Je veux me guidance puis essayer de faire une religion pour voir si ça me dit quelque chose de genre ça serait un culte quelconque ou quelque chose en même genre. Ça essayer ça? Probablement des nécromanciens, mais c'est une impression. Des fois que ça serait relié avec un sens, quelque chose de religieux, je sais pas. Là. Je peux t'essayer? Je te ferai pas faire de jet pour ça. Okay. Parce que tu saurais probablement pas plus que c'est une version de la religion de Karnat, qui est une religion comme très très centrée sur la force en dedans de toi. Comme tu es le dieu de ta propre religion un peu. La religion dont vous êtes l'héros. Fait que ouais. C'est probablement une vieille version de la religion de Blood of Vol. Là. Qu'on va aller voir l'autre pièce. Fait que vous voulez suivre. Fait que vous voulez suivre les traces? Ouais. Alright! Parfait. Au-dessus de la porte de ce que vous suivez. Des traces que vous suivez se trouve une autre inscription. Quand le loup boit, le chien ne peut que le regarder.
ça a l'air comme d'être un épiphète, un épithète. Épitaphe. Quelque chose que tu écrirais comme par-dessus. Épitaphe. C'est un alphabet. C'est des mots. À l'intérieur, vous... Comme tous les corridors sont des immenses arches où chaque partie du mur est occupée par ce qui semble être des cercueils. Un peu plus loin, vous remarquez des silhouettes squelettiques qui ont l'air de bouger. Squelette. Et ils ont l'air de venir vers vous. Mais ils n'ont pas de l'air agressif. Ils n'ont pas d'armes. Leur squelette... Le squelette est blanc comme s'il avait été nettoyé. Mais il n'y a pas l'air de soucier de vous. Il y a une grosse brosse à dents, genre, puis se lave tout. Il s'entrelave. Il y en a plus qu'un. Il y a plus qu'une silhouette. Il y en a beaucoup même. Et vous les voyez... On dirait faire de l'entretien des tombes. Et chaque plaque a l'air de représenter une... Ils sont très très... Il y a beaucoup de fioritures, puis il y a des noms très anciens que vous êtes pas sûr que vous êtes capable de prononcer. Et certains cercueils qui sont ouverts. Les squelettes ont l'air de se préoccuper des cercueils qui sont fermés en ce moment. Donc, c'est leur tombe à eux, les tombes ouvertes. Je suis allé faire un peu de ménage. Je pense pas. C'est censé être... C'est la crypte dans laquelle se trouve Caius Ier. Peut-être qu'il a transféré en même temps la crypte justement de tous les membres de sa famille. C'est une famille royale. Je les vois pas très bien faire l'entretien. Fais-moi un jet d'histoire, Anaïg. Avec plaisir. Pas avec plaisir. Ça va être 10. Ok. Puisque tu as déjà fait de l'étude sur la famille Wignarn par le passé, tu remarques qu'il y a un des deux côtés qui a de l'air d'avoir des noms plus récents et qui sont... T'es capable presque 100% de dire que c'est pas des noms. Il y a aussi trop de monde pour que ça soit comme raisonnablement... Une seule famille. Ouais, ou juste la famille royale. Parce que clairement, ça serait plus connu comme lieu de... Après avoir justement dit ce que je viens de dire, je vais m'être approché des plaques. Regarder un petit peu plus en détail. Alors que tu t'approches des plaques... Parce que le corridor est très large. Là. Il y a à peu près une soixantaine de pieds de large. Alors que tu t'approches d'une des plaques, les squelettes arrêtent ce qu'ils font et te regardent. Vous entendez comme le... Genre le son des os qui se tournent pour regarder Anaïg. Ne fais que regarder, ne touche pas. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus proches, qui s'approchent lentement mais sûrement... Genre, il essaie pas d'être discret ou subtil, là. Il avance comme robotiquement, je dirais. Je vais juste jeter un coup d'œil justement aux plaques, puis après ça, je vais me reculer pour m'éloigner. M'assurer qu'il arrête de venir vers moi. Quand tu t'éloignes, ils commencent à retourner à leur tâche. Ouais. Finalement, c'est peut-être pas tous. Non, je veux dire...
C'est probablement pas juste une crypte royale. J'ai aucune idée qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, mais je suis là. En fait, un point que j'ai oublié de te dire quand, tantôt avec ton jet, là, mais il y a définitivement un des deux côtés qui a des noms plus récents que l'autre. Hmm. Est-ce que c'est du côté que je suis allé voir? Ça dépend, t'es allé à droite ou à gauche. Je suis allé à droite. Ouais, c'est ça. La partie à droite te semble être les noms plus récents. Plus récent dans une certaine limite, mettons. Plus facile de juste les lire et de les dire. Et aussi, c'est moins usé un peu. Juste l'usure, à force d'être nettoyé, l'autre côté a de l'air presque invisible. Pour la plupart. On dirait que les cercueils de ce côté sont un peu plus récents ou moins anciens, en tout cas. Et ça nous aide-tu? Moi, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir les traces pour identifier celles du visiteur qui sont pas les squelettes ou celles qui s'est dirigé. Il y a de l'air d'avoir été au. Il y a de l'air d'avoir fait quelques spots de quelques cercueils qu'il y avait autour. Tu vois qu'il s'est avancé devant un qui était fermé. Puis après ça, il a été vers un qui était vide. Puis là, il y a de l'air d'en avoir fait deux autres vides. Puis, puis après ça, ça continue jusqu'au fond. Et au retour, ça a l'air d'avoir été une ligne droite. Je vais aller vers le fond jusqu'au où qui s'est rendu, dans le fond. Alright, c'est par le fond, je veux dire comme c'est vraiment loin. Là. Il faut que tu te sépares des autres. Ah, Moi, j'avance, c'est ça que je dis. Je sais pas si eux suivent ou pas, mais moi, j'avance. Le suivez-vous. Eh oui, moi, je vais pas laisser Vili aller se faire tuer tout seul. Alright. Yes. Pendant qu'on avance, je vais juste... Ben, est-ce que Vali me suit aussi? Oui. Je vais... juste jeter un coup d'œil à Valim. Je pensais que les morts vivants... On a perdu... T'as coupé. T'as dit les morts vivants, après ça, il n'y avait plus de mots qui sortaient. Je pensais que les morts vivants avaient besoin de quelqu'un pour les contrôler. Je ne suis pas encore expert dans le domaine, mais... c'est à croire que certains morts vivants peuvent adopter un certain niveau d'autonomie. Peut-être après avoir été donné les mêmes directives, encore et encore, ils adoptent ce comportement par défaut. Peut-être bien. Je peux essayer un Arcana, voir si ça fait du sens ce que je dis là? Attends. Est-ce que tu nous bullshit? Oui, avec des avantages. Ok. Simplement parce que c'est vraiment super dur comme... knowledge à avoir. Fait que 26 ou 27? J'ai eu 19-20 en désavantage. What the fuck? Mais oui, c'est genre au même titre que des undead, genre se créer d'eux-mêmes, c'est tout à fait possible. Ok. Ça peut arriver, genre une ghoul qui se manifeste d'elle-même. Ok. Mais quoi que c'est probablement pas ça, mais tu sais que ça explique que c'est possible qu'il y ait des morts vivants qui n'ont pas de contrôleur. En tout cas, essayons simplement de pas les contrarier. Parfait. Et vous continuez votre chemin jusqu'au fond, où vous arrivez sur un espèce de dôme qui a de l'air d'avoir une porte dans le fond. Mais devant ça, il y a un demi-cercle de morts vivants en armure qui sont comme en demi-cercle dans la pointe qui ont l'air d'entourer un squelette qui lui est de l'air dénudé et qui est un peu moins propre que les autres qui ont l'air de faire
que vous voyez tantôt. Qui a l'air d'être debout sur un petit tas de poussière. Ils n'ont pas l'air de se prêter à vous. Vous êtes capable de voir que sur le sol ici, il y a une quantité phénoménale de sang séché sur le sol. Et il y a une quantité de sang frais. Et dans la petite pile de poussière, avec le sang frais, vous voyez une dague. Il y a de l'air preloise. Oh. M'a le tuer. Asti, m'a le tuer. En tout cas. Bien là, si on voit ça de loin, on peut pas s'approcher, genre. Ben, on n'est pas proche en ce moment, on est comme à distance. Mais c'est en vous approchant que vous déterminez ces détails-là, puis. Ok. Là, quelque chose, les loups qui boivent, puis les chiens qui boivent pas, là. Je vais me pencher, puis prendre la dague. C'est Breloi. Et comme elle. Alors, je veux pas être trop négatif, mais il y a beaucoup de Breloi, puis il y en a probablement plusieurs qui travaillent pour Anton Tal. Elle est de très bonne facture. Je vais la lancer à Yol. Lancer comme à terre. Ben, Yol, anyway, tu peux attraper des projectiles. Ouais. Fait. On va assumer que tu l'attends. Moi, je la lance pas de même à la Lorenzo, je la lance en ballon. Direct dans l'œil. Qu'est-ce que c'est? Quoi, là, le mouton? Qu'est-ce que j'ai dit encore, là? Qu'est-ce que je vais me faire clip que genre j'ai dit? Vas-y, Fred, clip s'il y a quelque chose de drôle qu'on a pas vu passer. Je vais t'envoyer le plus gros voyons mouton. Ben, tu vas voir sur hors sujet. Oui, je l'ai vu. On s'en parle après. Ok. Moi, j'ai juste une question comme. On va dire le méta, mais le miroir qu'on avait trouvé, c'est qui se trouve à l'avoir? Ouais, c'est Doka. Ok. Ouais, non, que je sache, vous l'aviez pas amené. C'est vrai qu'on est cave, hein? Ça aurait été quand même pas pire. Mais il est pas gros le miroir quand même, là. C'est pas juste un miroir de main. Non, il est dans une boîte, il était dans un petit colis quand on l'a ramassé. Il est trop gros pour être dans un sac, mais c'est parce que le miroir, faut qu'il y ait de quoi pour pas qu'il pète. Ouais, c'était... La boîte était grosse pour protéger le miroir. Ouais. Si moi, je savais pas où c'est que le miroir était rendu parce que j'étais pas à l'événement. Que je travaillais. Et tous les chevaliers autour du squelette au milieu sont armés. Et le squelette au milieu a les bras croisés sur le chest. Pèlerin, la vie sera votre ignorance et votre aveuglement. Ça veut-tu... Est-ce que ça implique un sacrifice, cette histoire-là? Ben, il y a juste une personne qui est venue, il n'a pas pu sacrifier quelqu'un. Sinon, il serait pas ressorti. Y a-tu des traces de sang d'où c'est qu'on venait? Non. Non, ok. Le sang est comme commencé ici puis il est arrêté. Il est resté là, okay, ça. Puis c'est soit là. Y a-tu une quantité importante? Genre que. Obviously, la personne peut pas être en vie après avoir. Non. Genre, y a une bonne quantité de sang, mais comme pas mortel. Okay. Genre, tu t'es coupé vraiment solidement, mais genre. Un petit bec et bobo, genre. Puis probablement des bandages. Ouais, mais c'est probablement parce que la personne s'est bandée, justement. Là. On l'a dit. T'as vu mon regard? Oui. On l'a tout entendu. 100%. Je pensais trop fort. Je vais me gérer.
je vais te tenir à comptable de ça, ok? Oh non! Ok. Je devrais piner ça. Lindy qui dit je vais me gérer, là. Oups. Fait que, bon. Que voulez-vous faire? On regarde dans la pièce et sur les murs, y'a-t-il autre chose, genre? À part des crânes et des os, non. C'est-tu comme les catacombes où c'est fait en os puis en crâne ou... Y'a beaucoup de l'architecture qui est faite en os, oui. Y'a une quantité monstrueuse de morts ici. On peut soit perdre du temps et essayer de trouver ce qu'il faut faire ou bien ouvrir la main à quelqu'un puis voir qu'est-ce qui se passe. Bon ben. Si c'est pas ça, on a l'air cave, il faut quand même retourner chercher. Fait. C'est une possibilité. Par contre, il est aussi possible que la pierre qu'il a obtenue ne puisse pas être tenue de la même manière. Mais là, si je suis pas fou, peut-être... il est allé partout. Peut-être qu'il faut aller dans les autres salles. Un point important, la dague n'a pas de sang dessus. J'avoue que c'est un point important que j'avais pas mentionné. Ouais, c'est quand même assez... Ok, laissez faire ce que je disais. Ouais, c'est ça, okay. ça change toutes nos pensées. Yol, qui a la dague, tu peux me faire un... investigation. Not 20! Oh! Ça monte à comme 24. Oh! Sur la dague, c'est... il y a de l'air d'avoir de la poussière d'os. Comme une espèce de petit résidu blanc. C'est-tu battu contre les squelettes, coudonc? Puis la lame a de l'air comme d'avoir frappé de quoi de dur. Je pense que c'est battu contre des squelettes. Moi, je vais aller voir le... Est-ce que les squelettes l'ont amené quelque part? Je sais pas, je regarde le couteau valet. Je vais m'approcher du squelette d'Enidé qui est au centre du demi-cercle de mort vivant en armure. Oui. Puis je vois genre... le yeux I guess. Le squelette a de l'air en parfait état. Autre le fait que c'était probablement un être humain puis qu'il est mort. Je vais inspecter chacun des squelettes. Hein? Et que sa peau est en poussière sur le sol. Bon ben, ça a l'air d'être de la poussière d'os à terre. Mais je vais faire le tour de tous les squelettes en demi-cercle, voir s'ils ont justement comme des scratchs. Non. En tout cas, ceux-là sont intacts. Pendant que je suis loin de tous les squelettes, je vais utiliser une action pour changer mon pack weapon en Warhammer. Alright! Parce que ça fait beaucoup de squelettes. Est-ce que je pourrais essayer de me fier à mon instinct pour avoir un hunch, peut-être? As in... Demander au DM qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Marche à sûr quelconque, là, ouais, ok, c'est un petit peu. Moi, je vais faire une religion pour demander à mon dieu quoi faire. Mais moi, considérant que dans cette pièce-ci, en fait, je pense que notre prochaine étape dans l'investigation, ce serait d'aller checker les cercueils d'un peu plus près, surtout ceux sur lesquels c'est approché. Parce que là, je sais vraiment pas, là, comme j'ai très peu d'idées, mettons, là. C'est pour ça que je dis ça. Vous pouvez rebrousser chemin puis checker les cercueils, définitivement. Ok. Faisons ça pour les cercueils, justement. Je pense qu'il y avait des cercueils en particulier desquels ils s'étaient approchés. Ouais. Il y en a pas mal plus qui sont vides aussi. Je commencerai avec ceux qui sont vides, d'avoir une idée. Ils sont vides. En fait, c'est pas nécessairement qu'ils sont vides, c'est qu'ils sont ouverts, en fait. Ouais. C'est plus... peut-être trop intense. On check, il y a genre. Ça va être. Des squelettes dedans. Une investigation. Okay. Dans les
cercueil vide. Est-ce qu'on s'en prend à chacun, guys? Vous pouvez bien. Moi, t'as aidé, moi, Naïg. T'as plus trouvé l'investigation, right? Ouais. 19. Peut-être. Ça va être... 12. 22. 8. Alright. Fait que... Valim... Attends, c'est qui a eu 22? Anaïg. Tu regardes dans un des tombeaux vides. Et définitivement, il n'y a aucun cadavre dedans. Mais lui que tu as cherché a l'air d'avoir des objets qui ont été laissés derrière. Comme des mementos ou probablement des choses qui avaient été portées par le défunt. Tu trouves un weird collier fait comme de corail. Avec des chaînes grandies dans du corail. C'est comme... Des chaînes grandies dans du corail, c'est bien cool. Ça a l'air très... Genre, ça flash comme étant... C'est rouge pétant. C'est vraiment avant-garde, ça va être en mode au printemps. C'est rouge sang comme objet. Hey, le Ralph. Je vais jeter un coup d'œil à la plaque. Qui identifie le cercueil. Aquaman. Ah! J'ai fait mon Roman Coke. T'excuses tout. C'est pas un nom que tu reconnais. Mais il a l'air d'avoir un titre. Pas comme royal, plus comme un noble. C'était probablement un officier, genre. Je vois. Et je pense que c'était 17 pour 18 pour Valim, c'était ça? 19. Ok. Toi, dans lui que tu t'avances, tu te faisais aider par Yol, right? Ou c'est Yol qui a aidé Anaïg? J'ai aidé Anaïg. Ok. Ben, Valim, tu montes comme sur le cercueil pour essayer de regarder dedans. Et à part une très belle épée, tu ne trouves pas de cadavre dedans. L'épée a l'air d'être sertie d'un très gros rubis à son bout. J'aime comment t'essaies de nous baiter à genre piller les tombes. Ouais, c'est avec des trucs. Genre, to be fair, vous avez juste fait, on va checker les tombes, puis j'ai fait, ok. Je vais piller la tombe. Oh. Mais si Yol m'aide, Yol veut-il piller la tombe, tu sais, je veux dire. Non, ok, je l'ai fait. Il l'a déjà fait dans le passé. Combien de winards est-ce que je peux piller les tombes de? C'est pas un winard, c'est juste un noble. Les squelettes autour de vous ont l'air de vous ignorer quand vous approchez les tombes vides. That means ouvert. Go! Ouvertes. Ok, écoutez ça, ok? Anaïg a un collier en corail rouge, pis là moi je viens de trouver une épée avec un rubis dedans, là, ok? Something... Rouge. Follow the red shit, là, genre. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a peut-être... T'as moyen de savoir si c'est magique? Je m'en crisse. It's a cool sword, I don't care. Ça m'a checké les gars. Enjoy my curse, là. Enjoy your curse. De toute façon, même si c'était magique, tu pourrais pas te tune maintenant. Fait. Je me tune pas avec, de toute façon, là. Genre, c'est pas moi qui va manier une épée, là. Understandable, have a nice curse. C'est une épée magique? En tout cas, elle est très belle, fait qu'elle est au moins masterwork. Hein? Est-ce que tu dis de bonne facture? Ben, la chose la plus... La chose la plus... genre, qui est le plus remarquable de cette épée-là, c'est le rubis à son, genre, à son pommeau. Si tu veux pas le rubis, tu n'as pas besoin. T'es pas une casteuse. Je m'en fous des rubis. Tout ce que je dis, c'est que c'est rouge. Moi, je prends l'épée, ok? Genre, moi, je ramasse l'épée. Next.
Voilà. Il y avait autre chose dans les autres trucs ouverts? Ou... Pas que vous avez trouvé. Pas que vous avez trouvé qui n'était pas de l'équipement... Ok. Qui n'était pas de l'équipement comme standard, ouais, ou... Mais visiblement, même si les armures que vous trouvez sont vraiment toutes vieilles, grugées par le temps, si c'était ouvert, ça avait l'air d'être comme bien travaillé, la plupart des armures. Il n'y a pas comme de piécettes ou genre d'objets magiques. Pas de plus que ce que vous avez trouvé. Okay. Que nous autres, on a décidé d'ignorer royalement. C'est pas de même, hein, voyons. That's not how this is. Tu disais que c'était approché de tombes qui sont fermées, de cercueils qui sont fermés? Le premier qui a approché était fermé. Après ça, il a été à des vides, puis justement, ben, ouvert et vide, ça donne que ceux qui a checké. Genre, vous en avez checké comme... J'assume que vous en auriez checké plus qu'un une fois que vous auriez checké ceux qui avaient... qui étaient ouverts, là. Mm-hmm. Essayez de voir en fait s'il y a un fil conducteur entre les cercueils. En gros, il a fait comme toi, il a approché du premier, les squelettes tout approché, il s'est éloigné, il a été vers les vides à la place. Voilà. Makes sense. Et un thème qui revient là, c'est que ça a tout l'air des hauts gradés militaires. Je vais compter le nombre de cercueils qui sont ouverts et vides. Puis je vais comparer ce chiffre avec le nombre de squelettes en armure qu'il y a en arrière. Il y a définitivement plus de cercueils ouverts qu'il y a de undead de debout. Les autres sont peut-être allés prendre une manche. Peut-être. Oh, t'étais pas supposé dire ça. T'étais supposé dire, ben non, voyons, il y a du tour de main. Écoute, non, gueule, avec tout ce qu'on a ici, franchement, j'en sais rien du tout. Ok, t'as peut-être raison. Mais c'est un peu ce que je dis, c'est que t'as peut-être raison, toi. T'as peut-être raison que j'ai raison. J'ai perdu comme une seconde, pis... C'est correct, ils ont rien dit d'abord. C'était vraiment comme, cette seconde-là, man, tu veux pas la trouver. Okay, non, c'est bon. Correct, s'il y a une seconde que tu voulais perdre, c'était celle-là. C'est bon. Ouais, c'est une bonne seconde à perdre. Arrêtez de nous mettre dans la même case. Waouh. Mais vous ne trouvez pas vraiment rien d'explicite qui vous dirait quoi faire. Bon, alors, il y a du sang dans la pièce, mais le couteau n'a pas de sang dessus. Non. Il y a de la poudre blanche, par contre, qui pourrait être des os, mais il n'y a aucun squelette qui a des blessures. Tu peux me faire un jet de médecine, Anaïs? Un jeu de médecine, moi, à l'aide! Ouais, ouais. Mais moi, j'ai pas le droit à ça, calice! Mais toi, tu sais pourquoi c'est pas lui? Parce que c'est elle qui a dit tout haut ce qu'elle pensait. Ça ira pas chier loin, mon affaire, genre... J'ai roulé un, j'ai roulé zéro! Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Bon. Ça ressemble à quoi, exactement, gueule? C'est quoi, de la poussière ou vraiment de la poussière d'os? Là, je peux-tu le faire, le check de médecine? Oui. Yes! Oh my fucking god! Pogné un. Ok, la balance est venue full circle. Ça me fait... On s'en va, écoute. On fait juste un aller. On a toutes les bombes, on fait se tourner à la place au complet. Man, qu'est-ce qui se passe? 2-1 dessus. Ça me fait 9 quand même. Ouais, c'est vraiment pas rien quand même. Mais... La manière que le sang est un peu éparpillé partout, là, ça l'a pas été self-imposed. Il se l'est probablement pas fait à lui-même. Bon, fait qu'il faut péter la gueule à tous les méchants. Ben, combien de squelettes? Excusez les morts vivants. Il y en a 10. Ah, il y en a juste 10. Juste 10. Et puis vous avez pas de cléric pour turn on dead. Oh non! Mais je fais du radiant damage. Moi j'aurais tendance à peut-être essayer une autre pièce. Ah ok, on peut bien faire ça. Hmm. Allons voir. Oh my god. On va aller voir dans une autre pièce, ça là. On est trop cave. Je vais écrire ça dans le rapport. Oh wow. Trop imbécile.
pour déduire l'énigme. Donc, nous cherchons des indices ou une autre énigme. Dans une autre qui prend les notes pendant qu'on se promène. fait que vous rebroussez chemin, là? Ok. Mouton, il nous emmène. Faites-le. Check Mouton, là. T'as le droit d'être honnête. Vous allez dans les autres pièces, puis si vous avez pas fait celle-là, vous trouvez rien. Fait que retournez à l'autre, genre. Puis t'as le droit. Parce que là, on va faire une autre heure dans une autre pièce. Ouais, j'ai d'autres pièces de prête, là, mais comme. J'aimerais ça que tu nous assistes en tant que metagame, là, pour qu'on puisse avancer. Il y a définitivement du sang sur certaines des lames des chevaliers. Ouais, ouais, ça c'était. Bon. Fait clairement, genre, le dude s'est fait shanker. Bon. Ouais. Ça, moi, c'est ce que j'avais compris de sa description. Bon, okay, pet des bitch. C'était pas Est-ce que c'est quelle sorte d'armure qu'il porte, là? Savoir l'avancée, là. C'est des armures en os. C'est dur de dire c'est quoi qui. Ok, fait qu'ils ont pas genre du. Bon, une armure par-dessus leur truc. Ouais, ouais, ce sont. Genre, la meilleure manière que je pourrais décrire ça, c'est des Bone Knights, genre. Ah, ok. Okay. Pourquoi ils sont autour d'un squelette qui est dénudé? C'est quoi leurs armes là? C'est juste des épées, genre? C'est des épées, ouais. Ils ont-ils des boucliers ou genre deux épées? Ouais, ils ont. Ils ont bouclier, épée. Ok. Pis c'est. Ils regardent tous le squelette au milieu. Un squelette au milieu, il était. Il a pas de l'air actif non plus. M'a crié dessus. On dit hey! Mais non, mais si, on va leur faire un gros envoi. Ben, je vais voir s'il réagit, le gars. Le squelette du milieu réagit pas. Ok. Genre, évidemment, ils sont comme. Ils ont pas d'âme, là, fait qu'ils réagissent pas vraiment au stimuli en général. Là. Je vais me tourner vers Valim. C'est sûr que c'est pas genre un squelette qui a un âme. Il y a beaucoup de sang. Il y a un squelette qui a l'air d'être en attente, allongé à rien faire. Et il y a plein d'autres squelettes qui, eux, font de l'entretien. Est-ce que tous ces squelettes sont passés par ici, ont dû se battre contre ces squelettes en armure? Je pense qu'il faut juste qu'on les batte. Je pense que tu dois mieux expliquer ta pensée à Meg parce que j'ai de la misère à tuer. Moi aussi, j'ai pas compris! J'ai l'impression que peu importe ce qui s'est passé ici, quand ils en ont fini avec quelqu'un, ils en font un esclave pour s'occuper de l'endroit. Peut-être moi qui réfléchis trop loin. Je crois pas. Je crois que ça a eu simplement des servants qui continuent leur travail une fois. Bon, alors pour les déclencher, on fait quoi? On les attaque tout simplement? Ben. Ça a marché pour la statue. Oui. Ben, je t'en prie, Darius. Va leur saluer. Peut-être que la solution ici, c'est juste pour tout toucher. Oh! Moi, je risque de pas faire grand chose contre eux. Tu mets un doigt dans les fesses, genre, un peu comme dans Naruto. Je pointe mon épée vers un des squelettes, puis je me prépare à faire douche blast. Oh my. Alright. Go. Fait que tu fais Eldritch Blast sur un des Bone Knights. Ben, à moins que quelqu'un m'arrête, genre. Ils ont des noms, là, ça date it, là, genre, on est fuck, là. Ils ont des noms. Ben, techniquement, tout a un nom, là, mais genre. Non, mais t'es appelé des Bone Knights, là, c'est parce que t'as le stat block d'en face, là. T'aimerais ça, là. C'est correct, il l'a fait. Je demande à Valim, est-ce que vous voulez lancer un sort en même temps? On casse tous des spells en même temps, go. Ça sert à rien de prétendre qu'on va pas devoir se battre contre ça éventuellement. Ah! Go! Je vais accompagner Darius dans son cassage de spells. Que veux-tu si faire? Pas dire, ah ouais, je peux me mettre en arrière des squelettes puis les varger avec mon épée, ce qui va leur faire. Non, ça va être un haut, ouais. Oh! Oh my god, peux-tu moi aussi? Je suis rentré avec des ouais! Quoi? C'est-tu un fort. Gerbard? Mais ça, de toute façon, ça va être un à la fois. Malgré que vous le faites tous en même temps. Là. Ouais. Fait que, Darius, fais-moi ton Eldritch Blast.
Puis moi, pendant ce temps-là, je suis en arrière. Tu peux tirer avec avantage parce qu'il bouge juste pas, là. Ouais. Good. Puis la neighbor. First. Est-ce que t'as des armes qui sont adaptées à des squelettes, toi? Maintenant, oui. Je pensais. En même temps, si Anton Tald avait un couteau, j'imagine que... Hein? Ben, si c'était vraiment une Tontal de... 22. Moi, pour toucher, ça touche. Et 23 pour mon deuxième blast. Je suis pas certain qu'il serait venu à pied non plus. Fait que c'est des... On va changer l'ambiance un peu. Comment veux-tu que ce soit? Fait que 12 force damage puis 13 force damage. Sur les premiers et deuxième raids. Avec les dégâts que ça fait, vous l'entendez tous, le son des os qui craque et qui se désintègre, le squelette sur la petite pile tombe en poussière. Et vous entendez crier à l'unisson de tous les squelettes, d'un son qui vient clairement pas d'eux. Punition. Et ils vont tous dégainer leurs armes qui sont déjà pour la plupart pleines de sang. Et vont évidemment s'avancer vers vous, mais Valim peut faire ce qu'il allait faire avant. Peux-tu mousser? Oui. Ça va être un shatter pour les pogner tous. Alright. Ben tous. Tu peux pas toutes les pogner, ouais. Là, mais... Tu peux en pogner comme deux, là. T'as dit qu'il était comme... La salle est immense. Ils sont séparés comme... Tu peux en pogner comme deux au maximum en même temps. Ouais, 10 foot radius. Like 20 pieds de large, le diamètre. C'est ça, là. Genre, la salle est... Genre, le corridor pour vous, qui vous amenait ici était 60 de large. J'aurais aimé ça comme un visuel, par contre, pour visualiser. Ouais, parce que c'est pas vraiment... Pas je ça. Suis Moi, désolé. Je voyais là, au plein milieu, puis toutes les squelettes autour. Il n'y aura malheureusement... Ouais. Pas de visuel pour ce combat, malheureusement. Est-ce que vous étiez supposé comprendre quoi faire et pas vous battre? Non, parce que préparer, ça demanderait vraiment plus de préparation si chaque encounter demandait une map et ça rallongerait le combat. Fait que c'est vous allez. Illusion, fait que vous pourrez tous avoir votre tour avant qu'il joue pour simplifier la chose. Fireball, t'en pognes combien? Ça serait... Genre, je veux pas... Du feu contre les squelettes, c'est efficace, là? C'est genre... Je suis une marque. Ben, ils ont probablement pas résistance, là. Ouais, ok. Plus qu'il y a du froid, mettons. Mais y'allait avec Fireball à la place, là. T'en pognes combien? Si avec 10 pieds de rayon, j'en pogne 2, avec 20 pieds de rayon, je peux en pogner 4. Oui, oui, oui. Ok, bon. Je vais en pogner 4 avec Fireball. There you go. Yeah! 28 de fire damage. Alright. Un DC 15 de dex. Ah non! Un instant, je reviens. C'est drôle, il a échappé quelque chose en même temps que les dés roulaient sur Beyond sur Foundry. Ouais. Il a échappé ses dés comme pointly comme ça. Yo, genre, je vais prendre mon deuxième fireball qui a roulé max damage. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai un deuxième fireball, puis le deuxième a roulé max. C'est quoi le deuxième? Qu'est-ce que j'ai manqué? Check la chat. Si le Warlock fait son Eldritch Blast, le Wizard peut bien faire son fireball. Ah, excuse, Foundry. Ah, ben je l'ai plus d'ouvert. Mais là. J'en ai plus besoin et je l'ai pas d'ouvert. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai accroché, genre, quand j'ai casté mon spell, j'ai accroché le pion deux fois. Ça l'a lancé deux fois. Oh mon dieu! Max damage! J'ai pogné 6, hein. J'ai comme wasté, genre, un max damage fireball. J'en reviens pas. Cool. Je vais regarder ça ouvert pour voir les jets. Alright. J'ai jamais vu genre autant de max rolls. Sur le DC, c'est la première fois que je vois un max roll. Là. What the hell? Alright. C'est ça, man. Fait que ça peut être à Villiers ou à. Ah oh, non, Yol voulait faire un. Yol. Je ne pas Burning Hands parce que ça me dit qu'ils sont comme à l'autre bout du monde. Ouais, il faudrait. Burning Hands. Ouais. Non, c'est ça. Tu peux faire des pew-pew?
Mais tu peux faire mes pipiou si on a comme un surprise round ou whatever. Ouais. Ouais, ils vont se. Bon, c'est pas un surprise, ouais, là, mais c'est essentiellement ouais, c'est la même chose. C'est un tour. Ouais. C'est vous c'est jouez 100% tour, avant eux. Fait que 3 sur le dé, ça roule, ça touchera pas. Tabarnak, man, mes dés, là. On avait ça avantage sur nos attaques? Pas tous, non. Ça bouge pas. Pas une fois ouais. que. Pas une fois que tu les avais attaqués. 17, ça touche-tu? Oui, oui. 16. 16 aussi. Ok, nice. Donc, c'est, les deux attaques c'est 16. Ah, bon, ben, attends. Je vais faire 2 des 6 plus 6 de radiant. Oh, lisse mes dés! Oh! 9. Ah! Tu vas être sur la même. Tes mains sont chaudes? Tes mains sont chaudes. J'ai pas de temps que ça, parce que j'ai joué les 2 puis 1 sur mes dégâts. C'est mieux que 3-1 que j'ai eu tantôt. On est bon, guys, on est bon! Oui, on est bon! Ah ouais, ça va bien. Là, t'as dit combien? 16? 9? Ok. Les gars. 16, c'était pour toucher. Alright! À qui le tour? Anaïg ou Villiers, dans tous les cas, c'est plein d'attaques. Vas-y. Good! Je m'en pogne un, là. M'en pogne un! Attaque! C'est pas très bon, non. C'est pas... Non. Ça, c'est... 10 pour toucher. Ça touche pas. Extra! Attaque! Je l'avais dit, c'est 16. Ça va simplifier, là. Genre... Bonus attaque! Le but est de simplifier le plus possible le combat. Bon! 21 pour toucher, c'est beau, ça touche. 1 des 8 plus 4. Ok, ça fait 6 de slashing et à ça, je vais ajouter mon psionic strike. Il va faire 7 de force. Fait qu'on avait dit 6 de slashing plus 7 de force damage. Puis c'était mon tour. Alright, Villiers. Il reste quoi? Il en reste encore pas mal. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment amochés, mais. Il y en a comme deux qui sont vraiment amochés parmi la gang. Ceux qui ont été touchés par la Fireball principalement. Ouais, non, mais je veux dire ceux qui ont fail le saving throw. Okay. C'était plus ça. Je vais. Ah, aussi, je vais juste me pleurer. Ils n'ont pas de résistance que vous avez spoté. Je vais simplement me placer devant Valim. Pour empêcher les squelettes de s'approcher de Valim. Ok. Donc je vais juste me mettre en défense en avant, puis. Perfect. Est-ce qu'il y en a une bunch qui vont venir vers lui? Bouclier, pied, épée courte, genre. Ok. Tu veux pas essayer d'attaquer à distance avant. Ok. Ouais. Fait que. Ça va être à eux. Il y en a 3 qui vont venir sur toi, Villiers, ceux qui ont été fessés par la Fireball. Puis un qui va quand même réussir à te contourner, puis se placer. Puis il va essayer de taper Valim. Puis les autres, ça va être à peu près 2 chaque aussi. Valim, quel est ton AC? Je suis pas fait Major... J'ai pas comme mentionné que j'ai fait Major Armor, fait que ça va être 13. 13, ok. Fait qu'il y a une attaque qui va te toucher. Ok. Et va te faire 12 de slashing damage. Ok.
surprenamment, les lames ont de l'air quasiment d'extirper le sang de vos corps. De les projeter est-ce... comme au loin. Est-ce que je peux faire mon force field? Est-ce qu'il est à 30 pieds de moi? Oui. Oui, vous êtes. Vous, j'assumais que vous étiez pas si loin les uns des autres. Ok. Je vais faire mon champ de force pour réduire les dégâts. Ça va être. Je vais réduire de 6 les dégâts. Ok. Mec. On va faire ceux sur Anaïg. Quel est ton AC? 18. Et je ne peux pas être crit. Alright. Il y en a un qui va te toucher ben juste. Oh god. J'aime pas ça quand tu dis ça. Ça va te faire un bain de slashing damage. Comme. Il y a presque. Il y a basically max damage. Okay. S'il vous plaît. Ok. Ok. 20 de... Ok. J'ai plus de temp à HP. Sur... Non, 9 sont passés de là. Contre Yol. T'as 17 d'AC, right? Yep. Fait qu'il y en a encore juste... Va. J'espère. Tu vas te manger un 19 de slashing damage. Mais le 9 PV temp comme int là. Ouais. Hein? Merci Darius. Ok. Là, Darius. Il y en a une un qui... Crit, ça? Non, non, il... c'est ah, okay. 25. Voyons, est-ce que... Non, plus 7, là. Qu'est-ce que tu veux? Ça va te toucher? Alright. Et c'est... Ça va te faire 7! C'est que 5 même pas. Un petit peu mal. L'autre m'a fait du damage tantôt. Ah, t'avais été blessé tantôt. Et reste Villiers. Et combien as-tu d'AC? Full défense, ça donnait quoi? C'est 4? Ça donne des avantages sur l'attaqueur. Ok, ah, tu faisais dodge dans le fond? Dodge. Ouais, non. Ok, bon, bah, attends. T'as combien ça quand va même? Ça va être. Avec mon bouclier, c'est 18. Fait que lui, il y a rien qui va te toucher. Et... Alors que votre sang est un peu éparpillé partout sur le sol. Ils vont se redresser. Et ils vont arrêter les hostilités. Vous pouvez continuer les TP, mais genre... En arrêt. Êtes-vous correct, hein? Et ils retournent ce... Ceux qui sont endommagés... prennent le chemin de la sortie. Ceux qui sont très endommagés, les autres, ils restent. Fait qu'essentiellement, il y en a deux qui, parmi la gang, qui s'en vont. Vous savez pas où. Et vous entendez un grondement dans le fond de la pièce. Un grondement comme animal ou un grondement comme... Comme de la porte qui ouvre. Pierre qui ouvre. Ok. Là, on peut y aller. Vous entendez comme un d'une pierre qui se tasse et qui vous permet de voir dans le fond trois espèces de sockets que vous avez vues tantôt. Mais seulement deux ont des pierres. J'en prends-tu ma gros barre?
Quand vous venez pour les prendre, ils se détachent d'eux-mêmes. T'es pas si pire. J'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, ça va nous permettre d'aller dans un autre plan ou quelque chose comme ça. Ouais. Du moins de te déplacer. Mais pour l'instant, on en a deux. On a encore besoin de trois autres. Si c'est ce qu'on pense puis que ça fonctionne de la façon qu'on imagine. Alors que vous avez pris les deux espèces de pierres uniques et que la porte se referme, vous sentez une secousse qui ébranle l'entièreté de la structure alors qu'on dirait qu'il y a de quoi qui bloque la porte. Mm. Et vous entendez le building autour de vous shaker. Et on dirait qu'il y a des morceaux qui commencent à tomber du plafond. Nous devrions nous dépêcher, je crois. Mm-hmm. Mais là, quand tu dis que la porte est fermée, ça veut-tu dire qu'on peut pas retourner à la tour? Ou on peut retourner non, à la non. tour? La porte qui a ouverte pour vous laisser prendre les... Ok, assez refermée. Elle a essayé de se refermer, puis en se refermant, on dirait que ça l'a shaké de quoi qu'il fallait pas. Faites-moi tous des jets de l'athlétisme. Rock falls. Rocks fall, everybody dies. Athlétique spécifiquement? Pas d'acrobatique? Non. Non, c'est de la course. C'est la vitesse à laquelle vous allez qui compte, essentiellement. 24. Je peux te guidance? Pas avec le temps que vous avez. Je peux pas faire telekinetic movement sur quelqu'un de poche pour l'aider à avancer. Sauve Valim! Désolé, Villiers. T'as utilisé comme une action, par Attends. Contre, telekinetic movement, fait que... That's up. 11. Trouver de quoi? Alors que vous courez, vous vous rendez compte rapidement que vous allez probablement pas assez vite. Et alors que vous arrivez proche de la sortie de la zone dans laquelle vous êtes, une énorme partie du plafond vient s'effondrer sur vos têtes. Mais... alors que vous pensiez pas avoir le temps de passer, la pierre semble avoir ralenti sa descente. Et alors que vous êtes dans la zone circulaire de la tour, que vous reprenez votre souffle, vous voyez une silhouette à côté de vous qui a l'air d'être la source de ce qui a ralenti la pierre. Au fait, c'était pas 9, c'était 3 que j'avais. Une silhouette familière pour Villiers. Pour Villiers? Un jeune homme. La grandeur. Ah non, ah! Ah, je l'ai ouais, vu. La grandeur. Oh, oui. Cheveux bruns. Nommé Thomas. Qui a l'air d'avoir lancé le sort. Et c'est ainsi qu'on va mettre fin à cette première partie. Ooh, suspense. Attention, petit gars, qu'est-ce que tu colles ici? Yol, non! Chut! Yol, les gars, je suis toujours tout. Ouais, c'est mon trademark. Fait que, juste comme un sneak peek, je vais vous montrer une photo de Thomas. Oui. Oh, t'as pu vous retourner sur le cul. Cette kid-là va nous avoir sauvé le cul combien de fois, effectivement? Enfin, en fait, là. Moi c'est la troisième fois, je la vois. Moi, ça fait troisième fois, toi qui apparaît, for some reason. Et fait qu'on va mettre fin au RP tout de suite. Un hard cut.
on va vous laisser reprendre la semaine prochaine avec Fred pour la partie 2 de cette expédition épique. Qu'arrivera-t-il et que trouverez-vous? Un seul moyen de le savoir. C'est d'être présent la semaine prochaine. Évidemment, je ne vous donne rien ce soir. Et ça va être au bon plaisir de Fred de vous le laisser. Et ça fait que c'est une fin plutôt abrupte. Mais moi, j'aime ça. J'ai hâte. C'est un cliffhanger! En fait, pour être franc, ça aurait pu finir, genre, puis vous saviez pas qui vous a sauvé. Oh! C'est plus le fun de même. Moi, je vais partir le pool, là. Et on va commencer à bêter c'est qui t'a manqué. Ah! Vous ferez ça en dehors du stream. Là, c'est ça, tu nous crisses dehors, hein? Ben oui! Principalement parce que on a même pas grand chose à se parler. Il y a pas de debrief, c'est vrai. Non. Nope. Fait que, on vous dit bye à tous, en espérant vous voir la semaine prochaine avec Fred. Prochaine game est encore avec moi. On se voit mercredi. Pour quel cas? On se voit mercredi pour le dernier demi-plan. Oh, le dernier demi-plan. Yes. Là, ça va être quoi? Ça va être le céleste truc-muche, le dernier plan, oui. Yes, c'est ce que je pensais. Probablement le moins Eldritch de la gang. Mais un seul moyen de savoir. Fait que, bye tout le monde! Bonne soirée! Bye. Bye.